Salut à toutes et à tous, on est en live pour une nouvelle soirée sur Tezo The Elder Scrolls Online. Je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Bob Lennon. Bonsoir, je mine. Oh oui, on dépiote un dragon et on le dépèce en groupe, regardez-le. Regardez-le comme il est beau dans l'effort. Black Freddy Mercury, musculeux. Cette hélice qui débite un dragon à l'infini tandis que des astres le dépiotent avec une expertise incroyable. Salut Hélice. Un pillage, je suis occupé en pillage. Gueule, je travaille. Et des astres, est-ce que tu bosses? Ça bosse. Oh, ça bouge. Et derrière, on a l'impression que ça bosse, mais ça revient de l'apéro. Hein. C'est ça, on a l'impression que ça n'avance pas. Tu travailles sur les dents, toi, là-bas? Bah oui, j'ai toujours pas réussi à m'enlever. Il est dentiste. Moi, ce que j'aime bien, c'est si vous mettez en vue intérieure que vous regardez vos potes travailler, vous continuez le marteau, mais devant vous. Genre, en fait, c'est l'automate. Le mec, il fait tellement le même mouvement 10 000 fois par jour. Ah oui, ça. Il s'arrête pas après le travail, tu sais, en mode. Après, là, on joue avec les perspectives, mais on tourne la caméra comme ça, et là, ouais, on se rend compte que je ne fais rien du tout. Et derrière, il y a tout semblant. Regarde, derrière nous, il y a des gens qui bossent. Il y a Zygma qui débite, ainsi qu'un autre poupée qui est en train de pelleter à juste titre une aile. Mais il pèlte quoi? Oh bah, je sais pas, une aile, on s'en fout, ça se pèle, c'est un dragon. Il y a de la matière, hein, tu peux y aller. Je pense qu'il est aussi efficace que nous avec sa pelle. Hein. C'est ça. C'est pour ça. Du coup, moi, ça me fait poser des tas et des tas et des tas de questions sur la nature des dragons sur les Elder Scrolls. Mais vous pouvez m'arrêter tout de suite et on peut continuer l'aventure. Ah, vas-y, c'est on le en début, discutera plus tard. Bah, en fait... C'est vrai, on peut? Désolé, mais non. En fait, ce dragon, on sait donc que les dragons sont des aspects... d'Akatosh, tous hein, des descendants d'Akatosh et Kinaret notamment, notamment Akatosh en l'occurrence, qui s'est séparé et scindé en deux, donnant Alduin et Akatosh. Akatosh étant, vous savez, le dragon du temps, le gentil, un des huit divins absolument fantastiques, et Alduin étant le destructeur, le mangeur de monde, blablabla. Bla 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 bla. Tous les dragons normalement sont asservis à Alduin, cependant les dragons sont des créatures assez étranges dans le monde des Elder Scrolls, puisque ce sont des créatures qui sont immortelles, et non pas immortelles dans le sens où elles sont intuables, immortelles dans le sens où quand bien même on les tue, leur âme reste dans leurs os. Et il suffit qu'un dragon passe avec le langage de dragon et dise, je sais plus quels sont les mots magiques, mais basiquement en langage de dragon ça donne « Hey, il est midi passé, lève-toi et cherche un travail, trou du cul !» Et là le dragon il se relève, et du coup il a jamais été tué. Pour les tuer, il faut, enfin les tuer, genre tuer, comme quand tu tues un zombie si tu veux, il faut que l'enfant de dragon, le dragon de borne, donc Talos, le héros de Skyrim ou quoi que ce soit, boive leur âme. Et c'est intéressant parce que, qu'est-ce qui nous empêche, je me posais la question, qu'est-ce qui nous empêche, là le dragon il est mort, on est d'accord, il est mort, il bouge plus, voilà. Il bouge plus ça. Là, ouais, je crois. Qu'est-ce qui nous empêche de dépioter ce fils de pute jusqu'à son dernier tibia et de le répartir aux quatre vents. Tu vois? Voilà, qu'est-ce qui empêche techniquement? Ils ont peut-être jamais essayé. Tu sais, c'est comme le méchant dans Naruto, celui qui veut pas mourir, je sais plus comment il s'appelle ce con. Ishida. Oh, c'est pas important. Mais il y en a un, il se bat avec une foule, il peut pas mourir, tu vois. Et l'astuce, c'est que, bon bah, il l'enterre sous un tas de cailloux. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Et c'est intelligent. C'est comme l'hydre de Hercule, vous savez. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Ildan, merci. Qu'est-ce qui nous empêche techniquement d'attacher ce gars à un mur? De littéralement donner un morceau de lui à tous les habitants du pays et de leur dire gardez ça sous votre cheminée. Alors, deux trucs me viennent en tête. C'est le premier, tous les dragons étaient quasiment morts quand Alduin est revenu. Donc, est-ce que c'est pas déjà un certain type de dragon qui peut les faire renaître? Et d'une, et ils étaient quasiment morts réduits à l'état d'os et du coup, il les a fait revivre en entier. On n'a pas vu des dragons d'os voler dans le ciel. Objection, si je puis. Alduin relève dans Skyrim un dragon qui est mort d'un tertre en utilisant les mots de pouvoir, mais tous les dragons peuvent utiliser le langage des dragons. Donc on peut expecter que n'importe quel dragon qui connaisse les bons mots ou le bon langage puisse effectuer la même action. Cependant, t'as raison que dans le sens où ils étaient entiers quand ils ont été relevés. Qu'est-ce que ça donne si Alduin il a qu'un tibia? Il est baisé ou il se retrouve avec une jambe de dragon qui gigote? Et pourquoi ça il n'y a pas une reconstitution du dragon justement quand à partir des ossements, oui. S'il y a les os, la peau et les tendons et les écailles et tout ça se reconstruit. Non mais justement, ça se trouve, il suffit d'un os, tu mets des os de partout. Qui régénère tout. Il y en a partout, il suffit de réveiller dans un os et ça aspirerait tout. Ou alors Crane t'es un génie. Ça fait pas de sens. Attends, ou Crane t'es un génie, ça fait comme dans l'apprenti sorcier dans Fantasia. Vous savez quand Mickey il prend la hache et il... Vas-y. Non mais pardon, mais tu sais, tu as vu Fantasia, je sais pas, il y a longtemps peut-être. Non.
L'apprenti sorcier fantasme. Voilà, ça. Il prend la hache et il fend le balai en deux. Et après le balai. Ça fait deux balais. Puis après, ça fait 50 balais. Est-ce que tu peux faire 50 petits dragons en tibia? Enfin, en tibia. Alors, oui, mais non. Parce que si tu réfléchis à ce qui se passe in-game en ce moment même, pour avoir un Cadwell efficient, il lui faut le reste de son corps, malgré le fait que tu as remis son âme dans son corps. Ah. Donc ça doit être pareil pour les dragons. Ah, ouais, mais c'est enfin, pas un dragon, Cadwell, c'est un petit mec. Non, mais elle a raison, dans oui, l'absolu. Oui, mais ça fonctionne pareil, c'est une histoire d'âme et de corps. À savoir, moi, par contre, il suffirait qu'il manque 2-3 os pour que ça fonctionne pas, c'est un peu. C'est vrai. Ça me paraît un petit peu de. Ouais. À savoir, si je puis m'exprimer dessus, dans le monde des Elder Scrolls, l'âme se divise en 3 parties. Alors j'ai plus les noms, mais c'est un truc comme l'animus, l'étaïm et le truc comme ça en fait, qui fait qu'en fait, il y a une partie qui est gérable par les forces externes, comme les forces d'Oblivion, quand par exemple un Dédra te prend ton âme, une partie qui est gérée par le rêve lui-même, c'est-à-dire par le destin, un truc qui est immuable, c'est littéralement ton code. Pas en 8 bits, mais tu sais, en 1-0-1-1-1-0-1-1, tu sais, ton code ADN par rapport au jeu, voilà, en binaire, là, c'est ton âme de base. Et enfin, l'énergie résiduelle de ta forme de vie, de ta force de vie. Ce qui fait qu'en fait, dans Skyrim, lorsque tu bois l'âme d'un dragon, et que tu prends ensuite les os de dragon, et les os du dragon dont tu as bu l'âme, tu en fais des épées. Pourquoi elles sont super efficaces? Parce qu'elles ont quand même encore les restes de l'âme du dragon. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été des réceptacles à âme de dragon. Même si l'âme de dragon, à proprement parler, tu l'as bu. Il y a quand même un reste, un peu comme si tu vidais un pot de confiture. T'as toujours du jus de groseille au fond du pot de confiture. Tu vois le gars. Voilà. Et le fait que ce jus de groseille rend les choses super puissantes, c'est pour ça que les armes en os de dragon dans Skyrim, dans tout ce que tu veux, dans Elder Scrolls Online, hein, le matos en truc de dragon, t'avais pas ça toi, Elise? De si elle a l'armure en os de dragon, vas-y, sors-nous ça. Voilà. C'est pour ça que c'est une armure qui déchire un petit peu tout. Comme l'ébonite. Tu sais que l'ébène, en vrai, l'ébène c'est du verre qui est très très fragile. Tu peux pas faire une épée en ébène si tu veux. C'est pas possible, ça se casserait. C'est comme faire une épée en verre, c'est très compliqué. Le truc c'est que dans Skyrim, dans Elder Scrolls c'est possible. Parce que toute l'ébène c'est du sang de l'Orcane. Qui est quand même un des. Enfin, qui est quand même. Qui est quand même un grand dieu absolument. Du coup voilà, j'ai fini pour mon lore. Je suis désolé de vous en regarder. Non, ça va, c'est pas long. Allons-y, bah voilà, regarde. C'est classe. Et t'as vu l'armure de dragon, c'est stylé. Hein. C'est très 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 stylé. D'ailleurs, je me demande comment tu la tailles l'armure de dragon. Mon chameau aussi. Bah, t'as sa petite de armure de dragon. Ah oui, c'est vrai. Attends, fais un pouce en bas. Vas-y, espace. Il essaye, il sait pas bien faire. Ah, les dragons qui ont des. Enfin, les chameaux qui ont des cris de dragon. Imagine le Dragonborn, c'est un chameau, quoi. Tu fais quoi? T'as juste un mamelouk qui bute des dragons et t'as son chameau qui absorbe et qui augmente sa puissance à chaque fois. Ce serait honnêtement, c'est un dessin animé que je regarde. Honnêtement, c'est des aventures que je regarde. Oui, hein. Don Quichotte, dont ça le chameau est plus fort que Don Quichotte, quoi. Impeccable. Eh bien, écoutez, allons-y. Que faisions-nous? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va aller voir. On continue la quête principale, je pense. Oui, d'accord. On doit aller voir Aneshi qui doit être. C'est ça. Qui doit être où? Par là. De Rennes, trouver Aneshi. Sur la map. Putain. D'accord, oui, ici. Je vois pas ton ping, mais je suis. Ah oui, c'est ça, elle est à Shai. Et on peut y aller à pied hein, pour les aventures. Oh, oui, clairement. À pied, tu veux dire sans monture? Oui, en monture. Si, en monture, mais pas en TP. Pas en TP quoi. Voilà, c'est ça. On a pas de TP à côté. Attends, Crane, il va avoir 5000 PO, il pourrait. Comme vous rêvez. C'est beau, c'est mignon. Cette naïveté. Et oui, beaucoup de gens sont là, ce n'est pas un chameau, c'est un dromadaire, mes excuses. Tout à fait, oui. En vérité, ce ne sont pas des dragons, ce sont des vouivres. Niquez-vous. Voilà. C'est vrai. Eh! C'est parce qu'elles ont les ailes et les pattes liées, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors qu'un vrai dragon, c'est celui qu'il y a dans Donjons et Dragons Shadow of Mystara, par exemple. C'est littéralement un mec qui est ultra musclé avec des bras, il va à la salle, et en plus il a des ailes et une tête de dragon, il crache du feu. Enfin, un mec, c'est un lézard, hein. un gros lézard musclé. Généralement, c'est une grossesse qui est ultra bonne avec des poitrines comme t'en imagines pas, puis tout d'un coup, l'écran devient rouge, et là tu te retrouves face à un lézard qui fait 50 mètres de haut. Oui, ça déconne. Ça déconne zéro les dragons dans D&D. Comparé à ceux de Elder Scrolls, ça fait rire. Ceux de Elder Scrolls, ils sont mignons. Hein, c'est des petites wivres, c'est mignon. T'en vois dans Fire Emblem. Ah non, j'avoue, ils font pas très très flipper. Hein, ceux de... C'est parce qu'ils sont pas très gros. Ils sont assez intimidants, mais ils les ont fait plus gros dans Tezo, tu vois, par exemple.
Mais je sais pas, pour moi, un dragon, à peine il l'ouvre la... pour dire quelque chose que déjà... Il y a des morts. Tu sens le charisme ultra et tu sens le... Tu sens l'haleine avant le charisme, mais... Il sent que tu joues pas sur la même... tu vois, t'es pas sur le... Pour moi, il y a vraiment deux... Il y a vraiment deux types de dragons, tu vois. Il y a le dragon Game of Thrones ou Harry Potter, celui que tu peux monter, si tu veux. Et il y a le dragon, tu pourrais monter ta banque dessus. Là, c'est... pour moi, la catégorie... Genre Smaug. Smaug, il était... Bah oui, il y a Smaug, moi, voilà. Smaug, c'est banque. Par exemple. Smaug, c'était la banque, tu vois. C'est... Voilà, c'est ça. Et Smaug, là, ça déchire. Là, j'avoue... Plus doublé par Benedict Cumberbatch. D'ailleurs, je tiens à dire que pour un dragon mignon, de Magic aussi, ils sont pas mal. Pour un dragon mignon, je vous invite à regarder Périt, le vous savez le dieu de la peste et tout le ça. Le dieu de la peste, oui, c'est ça. Le dieu de la pestilence, c'est du. Allez sauter. Où est-ce que tu Je te déteste. Je te déteste. Donc faut descendre ou pas? Ouais, allez sauter, mais quel con. Alors moi j'ai pas attendu la laisse sauter, je suis allé tout droit. Mais du coup, ça sent l'arnaque quand même. Hein. Moi, je vais ça sent l'arnaque, ouais. Hop, hop. Ça passe. Attends. Heal. Bah, ça fait un petit peu peur là. Non, facile. Hop. Ouh, j'ai vu des gens mourir et ressusciter. Oui. C'est bon. Ah, Jésus l'a fait. Ça doit être la quête du donjon. Nerevar l'a fait. Ah quoi que, non, attendez, là alors. Où je vous en parle, mais Nerevar, il l'a pas encore fait, techniquement. Bah oui. On est dans la deuxième ère, pas dans la troisième. Donc vous voulez qu'on prenne la quête du donjon? Bah on peut. Putain, bah, comme déjà. Ça, c'est bien, ouais, ça sera fait. Hein. Oh, elle a un âne! Il est trop mignon! C'est celle du donjon, celle-là? Ah oui. Bah je pense. On oui, pourrait même faire le donjon, ouais. Ouais, honnêtement. Ouais, mais je crois qu'on va y aller, hein. Qui parle à Narayun? C'est à qui de faire... C'est à qui de faire, on n'a pas commencé. Bon bah, allons-y. Non, mais de faire le 3 demain. Ah bah, vas-y, ah, Craig, oui. Si tu veux. Voilà. Non, je voulais pas mettre d'accord. Ah bah, je 3, le fais alors, y'a pas de soucis. 1, bah, allez, vous partez au berceau. 3, 2, 1, go. Vas-y, clap. Vous partez au berceau de Srendar. J'espère que vous avez emporté une outre ou deux. Ou que vous allez m'en acheter une. Mes prix sont raisonnables, vu la sécheresse. Pourquoi elle dit Srendar? C'est une rouge garde. Elle a peut-être été élevée ici. Ouais, parce que c'est Srendar pour eux, hein, c'est important. Mmh. Ah, à moins que Berceau de Srendar, ce soit le nom de l'endroit. Et elle se fout de savoir si c'est un dieu ou quoi que ce soit, c'est juste le nom. C'est comme ça, London je pense. Ou Londres, ouais, sans doute. Ouais. Allez-y. Ouais. Et du coup, qui commence? Bah vas-y. Quel est le problème à l'Adeptorium? L'eau. Enfin, le manque d'eau. Quelque chose l'empêche d'arriver par l'aqueduc jusqu'au berceau de Srendar. En attendant, je le rapporte moi-même. Mais ça ne peut pas durer. Qu'est-ce qui cloche avec l'aqueduc? Aucune idée. Ce sont de vieilles pierres, de vieilles portes et de vieux leviers. Alors qui sait? J'ai entendu des adeptes en parler. Une des jeunes, Vasby, elle avait l'air décidée à résoudre le problème. Elle pourra sans doute vous renseigner. D'accord. Je vais aller demander à Vasby des explications sur la pénurie d'eau au berceau de Srendar. Vasby. Ces réponses de quêtes qui nous rappellent qu'on n'a pas d'âme, si tu veux. C'est vrai, ça paraphrase de ouf. T'es. C'était pas la quête du donjon, bon, c'est pas grave. Bah, tant pis, on fera ça après. Bon, on va la faire. Mais tout à l'heure, on va la faire. Si, je peux la faire, ça fait partie des quêtes. Waouh, oui, ça fait partie. La quête de la cuve faisait partie de. D'accord. C'est perdu le minotaure. Hein. Eh, mais. Ouais! Pardon. Je veux pas relancer la discussion sur les dragons, mais juste rapidement. Miracle l'avait pas fait, relever les dragons, des quoi, dragons, Miracle un dragon. Oui. Si, mais Miracle c'est bizarre, des tas de choses. Et puis spoil pas, c'est ils le ont pas. Champion d'Hermès. Spoil pas, mais... ils ont pas encore fini Skyrim sur ma série. C'est du pour coup, ça. On va, parler on va parler à la reine. Ouais, on va non, la faire. Bah, ah. Oh bah, on l'a fait ou on l'a fait pas? Ouais, on l'a fait. On l'a fait. Oh, allez, on l'a fait. Après tout, ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin d'eau, les poupées. On va parler aux sbis. En plus, c'est l'été et tout. Les sbis. Vous avez découvert Aqueduc d'Ankina. Ah c'est ça, hein, le fameux Aqueduc d'Ankina qu'on voit dans toutes les images et tout, qui est très mais stylé. Ça ressemble à rien, c'est du bois, c'est tout moche. Nous devons régler le problème de l'eau, Silucho. Ah, il y a la bouche. Aucun adepte ne peut affronter l'extérieur seul, mon enfant. J'insiste, vous devez rester. Hmm.
Bon, eh ben, parlons à Silujo d'abord. Alors, Silujo. Il y a un truc à dire. 3, 2, 1, go. Je suis inquiet que la jeune Vasby enquête sur l'aqueduc. Les esprits chantent votre force. Cela m'apporte un peu de paix. Je vous en prie, veillez sur elle. Je tiens à Vasby. C'est beau. D'ailleurs, est-ce que vous dites aqueduc ou aqueduc? Bah, c'est un aqueduc. Moi, je dis aqueduc. Oh, c'est parce que je viens de dire aqueduc. 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 Ouais. En vérité, ça se prononçait aqueduc, mais. Alors, pas du tout, parce que c'était l'aqueducal, et c'est, ça vient du latin, et pas duc. Il y a duc bien sûr. Alors, en vrai, François. Il y a un lion. Comment ça, il y a un lion? Et donc, du coup, tu tapes dessus. Bah, il nous agresse, c'est un lion, tu fais quoi? C'est quoi ce cadavre là par terre? C'était un lion. Ok, parlons à Vasby. Élise, c'est toi qui l'as tué? Non, c'est la mort qui l'a assassiné. C'était le lion. C'était le lion, je l'ai vu. Ouais. Allez, Vasby, 3, 2, 1, go. Je ne comprends pas. Il ne reste que des flaques dans les citernes de l'Adeptorium et pourtant, Silujo m'interdit d'agir. Continue, Crane. Ouais, continue, ouais. Il paraît qu'il y a un problème d'approvisionnement en eau à l'Adeptorium. Notre Adeptorium, le berceau de Srendar, souffre de sécheresse. Nous dépendons de l'aqueduc d'Ankina, mais le flot s'en est tari. Et maintenant, les adeptes et les pèlerins ont soif. Nous soignons les malades. Sans eau, ils vont tous mourir. Avez-vous une idée de ce qui a pu tarir le flot? Non. Et nous ne le saurons jamais si Silujo est exaucé. Il nous rebat les oreilles des risques, mais je ne suis plus le chaton émerveillé qu'il a recueilli il y a tant d'années. Je dois arranger la situation. Vous êtes un guerrier, oui? Acceptez-vous de m'escorter pour inspecter l'aqueduc? Moi, je pense qu'il faudrait envoyer Kirikou. Il a l'habitude de régler ses problèmes. mon flow, il est tari, là. Oui, nous allons vous aider à enquêter et rétablir l'approvisionnement en eau du berceau de Srendar. Merci de nous avoir aidés, Rook. Nous devrions inspecter la porte la plus proche de l'aqueduc, au sud. Si Srendar le veut, nous trouverons ce qui bloque l'eau. Je vous rejoins vite. Je dois parler à Silujo avant de partir. L'aqueduc s'était déjà séché par le passé? Non. Mes professeurs ont examiné les histoires de l'ordre sans trouver la moindre preuve de sécheresse. Mais nous vivons une époque bien étrange, oui. Les dragons volent, les morts se relèvent. Un aqueduc en panne ne semble pas si impossible. La source de l'eau pourrait-elle se tarir? Je ne pense pas. Avant d'atteindre le berceau de Srendar, ce même cours d'eau passe par Rimen. Et la ville a de nombreux problèmes, mais certainement pas une pénurie d'eau. Donc le cours est coupé quelque part entre la ville et l'Adeptorium. Malin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le berceau de Srendar? L'Adeptorium lui-même. Je sais seulement que nos ancêtres l'ont construit à l'époque des 16 royaumes. Je n'ai pas d'oreille pour l'histoire lointaine. Je sais simplement que l'Adeptorium a toujours été un lieu de soins, un refuge pour chacun, même les plus malades. Et comment avez-vous réagi face aux attaques des dragons? Nous faisons ce que nous pouvons. Mais je crains que cela ne suffise pas. Beaucoup de personnes nous rejoignent, la chair brûlée, les poumons noircis. À cause des flammes et de la fumée, vous comprenez? D'autres ont des membres brisés. La plupart de nos palliatifs et onguents sont à base d'eau. Alors vous comprenez l'urgence, oui? Oui, je comprends, mais maintenant qu'on se connaît mieux, parlez-moi de vous. De moi? Oh, ma vie n'a rien de passionnant, mais si vous insistez... On n'a pas le temps de draguer, Craig. Je suis une initiée et servante de Srendar. Une apprentie guérisseuse aussi. Silujo et les autres moines m'ont élevée ici, au berceau. Tous les adeptes sont guérisseurs? La plupart apprennent ce métier, mais tous ne ressentent pas la même passion que moi. Silujo dit que c'est ma vocation. Je pense qu'il a raison. Vous avez dit que Silujo vous avait trouvé sur le pas de sa porte? Oui. Mes parents étaient... C'était à l'époque de la peste, vous comprenez? De nombreux orphelins arrivaient au berceau de Srendar à l'époque. La plupart ont eu moins de chance que moi. Silujo m'a élevée comme une fille,
Et c'est toujours le cas, comme vous le voyez. Écoute, Crane, je comprends qu'elle te plaise, mais cherche son collier anti-puce, prends le numéro de téléphone qu'il y a dessus et puis on se tire. Non, mais j'avoue, il y a plein de questions. Hein. On en apprend des choses. Hein. C'est le loup-garou qui a un crush pour un chat. On va parler un petit peu de sa famille. D'autres membres de votre famille ont-ils survécu à la peste? Non. Cela remonte à peu de temps, Marcheur. Vous vous rappelez les grognements? Les quintes de toux? Oui? Le sang. Les adeptes du berceau de Srendar ont soigné tous ceux qu'ils ont pu. Mais même les remèdes les plus forts et les bandages les plus propres ne pouvaient soigner la peste. Bon, j'ai plus rien à lui demander. C'est ça, c'est ça. Elle a fini la conversation. Elle a fini la conversation sur la peste, on se casse. Allez. Alors, je vais demander juste un tout petit instant parce que j'ai mon son un peu faible et j'aimerais savoir pourquoi. Je t'en prie. On va essayer comme ça. Ah, on a eu le droit à un joli bip Windows. Ça me choque. Bon, bah, le chat, vous me direz si c'est mieux. Ça me choque toujours ces armures Dwemer. Enfin, celles qu'il y a dans tes os notamment. Parce qu'elles sont très jolies, je vous l'accorde. Mais c'est moins. Ça ressemble plus aux Dwemer du type des Nordiques, tu vois, les Dwemer de Skyrim Bord de Ciel, plutôt que les designs Dwemer qu'il y avait dans Morrowind. Ou même dans Daggerfall. Or, ici, on est où? On est en Elsewhere? Ah, donc, ouais, non, ouais, aucune idée. Donc ce serait étrange, tu vois, parce que les armures Dwemer que tu trouves, généralement, il faut savoir que les Dwemer avaient leurs différences culturelles, et même s'ils étaient absolument partout sur la putain de planète, c'est comme, je sais pas, l'Allemagne, c'est pas la même chose que l'Italie, l'Italie, c'est pas la même chose que, j'en sais rien, moi, les États-Unis, etc., etc., même si c'est les mêmes populations, tu vois, ça le gag. Entre guillemets, tu vois. Mais l'armure est vraiment belle. Oui, tout à fait. C'est juste que, géographiquement, je me demande si toutes les armures Dwemer, ce qui est le cas sans doute, dans tes os se ressemblent, et dans ce cas-là, c'est dommage. Bah, il doit avoir chaud surtout. Oui, oui, clairement. Alors, allez à la première porte. Il y a de nouvelles récompenses dans les caisses, au fait. Quelle récompense? De quoi? Dans les caisses, il y a de nouvelles récompenses cette semaine. Ah! Bah, c'est peut-être l'heure d'ouvrir des caisses! Comment? Attends, déjà, est-ce qu'on a des caisses? Moi, j'ai des caisses. Tu vois, quand tu vas dans les récompenses actuelles spéciales, etc., c'est des nouveaux animaux. Prends des caisses! Il me semblait c'était qu'ils avaient remis des caisses d'avant. Non, c'est parce que c'est les. C'est les lions. C'est les caisses à Tronac de feu, c'est pour ça. Ah, d'accord, donc on n'a pas les bonnes caisses. D'accord. Enfin, c'est les bonnes, mais c'est des anciennes, quoi. Il y a les deux. Bon, bah. Mais ouais, faut peut-être mieux prendre les. Oh, je sais pas. Vous voulez quoi? T'as quoi toi comme caisse, Bob? Moi j'en ai 15 et c'est les caisses qui sont achetables. C'est les. Les Bandari. Bandari. Ok, t'en as 15 là? Ouais. Non verte. Bon bah je vais en acheter 15 aussi. Oh là 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 là, il se régale. Ça bling. Allez, confirmé. Où est-ce qu'on doit aller? Juste au sud, très bien. Hop. Ok, donc du coup, maintenant qu'on a parlé de caisse, on en ouvre. Allons-y. Allez, on en ouvre deux. Restons raisonnables. Allez, deux, c'est bien. Oui, allez, oui, 3, 2, 1, vas-y. Attends, tout le monde a des caisses? Oui. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, les Bandari ont été très méchantes avec moi, donc... Ah, le kata de Gutrog, je l'avais déjà. Deuxième caisse. Ah, le kata de Gutrog aussi. Ah, par contre, j'ai eu la tenue du festival de Sucre Lune. J'ai affligé de périte. Ah, c'est la pousse, non? Ouais. Allez. Oh, c'est répugnant. Ah ouais, elle est... Je me transforme en désastre. Bon, j'ai eu un pyjama. C'est pas on va voir à quoi il ressemble. Alors, collection, apparence, déguisement. Ça fait très Dune, tu sais, le baron Harkonnen. Ah, ouais. Oui. Ouais, tu vois, magnifique. Ça magnifique, là, si je fais pas sensation dans cette tenue. Mais pour faire des astres, c'est plutôt ça. Hein. Oh là là! Ouh là là, la vraie tenue qu'agite! Mais trop bling parce que t'es un rouge-garde! Parce que t'es un rouge-garde qui essaie de s'infiltrer, mais t'y arrives pas! Ah non, j'ai plus l'impression que c'est la tenue détente que je mets chez moi. Quoi. Et ben pourtant, c'est détente, mais c'est bling détente. Ouais, mais c'est tenue traditionnelle qu'agite. En même temps, tu comprends qu'avec leur fourrure, ils veulent s'habiller léger, ça fait du sens aussi. Ouais, on comprend. Ça fait du sens. Alors attends, moi je vais virer cette pourrie immonde. Regarde, ça c'est la peau d'Argonien. Ah oui, j'ai aussi les cailles d'aigle mortes. Ouais. Bon, on dirait les méchants dans Conan, mais pas dans le film, hein, dans les dessins animés Conan l'aventurier. Oui. Tu sais, les méchants en blizzard avec l'épée étoile. Moi je trouve que ça rentre bien. Hein. C'est vrai. Ouais. Non mais la prochaine fois qu'on retourne en Merkmeyer,
Voilà. On se met comme ça. C'est ça. Tiens, vas-y, je change de tenue. Je me mets dans une tenue plus sympa. Idol domestique Aleïde. Je prends. Putain, lui aussi, il est. Ah non, c'est le même. Non, c'est pas. Bah, il dort, lui. Il dort, lui. Ouais. Il dort, il dort. Ouais. Ouais. Il dort. Il dort pour un moment. Du coup, il faut qu'on aille au sud. Allons-y, les enfants. C'est l'autre sud, du coup. Ouais. Ah bon? C'est le sud un peu plus à droite. Ouais. Oui, non, mais. Allez, bien. Il y a eu la route. Bon, ah, moi, je l'escalade. Vous l'avez trouvé. Ok. Tout va bien. Voilà. Tout se passe bien, allons-y. Ok. Bon, de l'eau. Porte, ça. Une outre d'eau, les mecs ils disent que c'est rare et boum, regarde ce qu'on trouve. S'il laissait pas ça traîner aussi. Ouvert et à sec, comme prévu. J'espère que nous aurons bientôt Attends. Trouvé le. Il faut parler à Vasby. Ok. On est juste là. 3, 2, 1, go. J'espère que nous aurons bientôt trouvé le problème. Sinon, il faudra inspecter la travée de Bahandar. Qui fait à toi, Bob. Ah, très bien. Qu'est-ce que la travée de Bahandar? Une portion de l'aqueduc qui traverse la litière de Bahandar, un canyon à l'est de l'Adeptorium. Depuis que je suis Jack Agit, Siloujo nous interdit de nous y rendre. Et pourquoi est-ce interdit? Je l'ignore. J'ai parfois entendu des adeptes plus âgés en parler à mi-voix. C'est lié à la peste Naaten. J'ai interrogé Siloujo de but en blanc il y a quelques années. Il a secoué la tête et dit que ce lieu était très très loin de la lumière de Srendar. Et pourquoi appelez-vous cet endroit la litière de Bahandar? C'est dans le nom. Les vieilles légendes lunaires. Les mères de clan disent que les piliers de pierre du canyon étaient les enfants de Bahandar. Alkosh les a pétrifiés en représailles d'une plaisanterie du dieu bandit. Le farceur a caché les piliers dans ce canyon pour qu'ils soient protégés et au chaud. Ah, c'est du lore. Très bien, nous irons à la deuxième porte. Je suis juste derrière vous, mais attention, marcheur. Siloujo est parfois trop protecteur, mais il ne nous aurait pas menti pour nous tenir à l'écart. Les dangers sont bien réels, comme vous le savez. Je m'en veux de l'inquiéter, mais je n'ai pas le choix. Aucun souci, on va casser des culs. Où est-ce qu'on trouve la deuxième porte ? Suivez la ligne de l'aqueduc vers l'est. Cela devrait vous mener vers la prochaine porte. Je vous y retrouverai. Vous ne venez pas avec nous ? Crane peut très bien assurer votre protection. Ah, de près. Vous me protégez en dégageant le chemin, marcheur. Je veux prendre un instant pour étudier cette porte, au cas où nous devrions en réparer une plus tard. Je ne risque rien. Ne vous inquiétez pas, oui ? Bon ben, à plus, chaton. Ne vous inquiétez pas, oui. Oui, oui. Toujours ce dialogue. Ne vous inquiétez pas, oui. Non, mais c'est adorable parce qu'en anglais, ils rajoutent des yes partout, tu vois, ça fait partie. Mais ils n'ont pas mis d'accent à la con. Je suis sûr qu'en anglais, ils ont des accents à la con. Les Khajiits, ouais. Je crois qu'ils ont des accents russes. Oui, ils ont un accent très russe. Ce serait fantastique. Qu'est-ce qui fait ce bruit? C'est ce course. Mais c'est ce machin. Ouais, il se fait chasser. Ah non, c'est un daim. J'ai cru que c'était un lion qui lui sautait dessus. Le daim prédateur des Non mais j'ai cru que c'était un lion qui bondissait pour manger le truc, j'aurais été là le monde qui est trop bien fait. Ça m'aurait vendu. Honnêtement, moi je suis survendu dans les MMO qui font que la faune attaque l'autre faune, si tu veux. Enfin les MMO ou les PNJ ont des interactions, point. Déjà ça c'est énorme quoi. Bah, rien que les mobs, si tu veux, tu vois le lion qui chasse ou autre, ça c'est fantastique. Il y avait ça dans Breath of the Wild de temps en temps. Les bocoblins, ils attaquent une biche, tu veux, puis ils le mangent. T'as les vautours en plein milieu du chemin, évidemment. Je pense qu'en quelque sorte des braconniers, du coup. Non. Ça fait rêver, dis donc. Non, parce que t'as le droit. C'est vrai que t'as un droit de chasse installé, or ça n'existe pas dans tes. On n'est pas braconniers. Les braconniers cherchent à buter les animaux. Nous, les animaux, nous aggro. Ils niquent leur mère. Tu sais. Ouais, enfin, là, de là, ils étaient tranquillos. C'était de la légitime défense. Ils étaient sur la route. Ils seraient restés assis tranquillos à pas faire chier. Et ben, ils seraient pas pris des coups de poutre. J'apprends vite, oui. Examinons cette nouvelle porte. Putain, ils me perturbent, ces espèces d'autruches. Avec leur bruit d'œil. C'est adorable, mais ça fait trop flipper. On dirait qu'on ouvre une porte. Zizvo. Attendez, qu'est-ce que c'est? Bordel. Bon, qu'est-ce que c'est, Zizvo? Étonnant. Bordel. Malédiction. Qu'est-ce qu'elle va trouver? Zizvo, malédiction. Malédiction, ok. Et tout à l'heure, elle nous a dit Chou qui essaie un. On clique sur la bille. 3, 2, 1, go. Ok. Ah. Bon, bah, très bien. On parle à Vasby. 3, 2, 1, go. Ce tissu, je le connais bien. Il fait partie de l'habit des adeptes de Srendar.
C'est une vieille tenue qui n'est plus portée. Un adepte a-t-il pu venir ici? Vas-y, Elise. Qui pourrait porter un tel habit? Je pense que personne ne le portait. Vu les déchirures, quelqu'un l'a utilisé pour panser une blessure. Vous voyez les taches? Et il y a une odeur de sang. Une mise en garde, peut-être. Ou un indice? Pensez que la personne qui a laissé tomber ça est responsable de la pénurie d'eau? Peut-être. Je ne suis pas enquêteur, mais trouver ça près de la porte, c'est un signe. Nous devrions trouver la personne, ne serait-ce que pour nous assurer qu'elle n'est pas blessée, oui? Comment comptez-vous les trouver? Nous pourrions commencer par chercher autour des colonnes qui soutiennent l'aqueduc. Quelqu'un de très blessé a pu se reposer à l'ombre de cette structure. Pas de temps à perdre, marcheur. Allons-y. Vous êtes sûr que personne dans le bateau de Srendar ne porte ce genre de tenue? Certaine. Quand le pire de la peste Naaten est passé, Siludjo et les autres ont brûlé tous les vêtements touchés par la maladie. Les linges de maison, les draps, et même les habits. Il n'en restait rien. Sinon des tableaux dans les cloîtres. Eh ben, ils ont pas du tout brûlé. Hein. Ou alors, il y en a encore qui sont en vie, et c'est le drama! Venez, son propriétaire pourrait avoir besoin d'aide. Ou alors, ils sont des adeptes de Pyrite, et la maladie les a pas gênés, si tu veux. Ils ont trouvé ça cool. Non, mais c'est vrai. C'est ça l'avantage d'être maladie de Pyrite, c'est que t'as tous les sidas du monde, mais tu meurs pas. Donc, faut monter tout là-haut, en fait. En bas de... Non, c'est en bas. Les gros machins, là, en bas. Putain, je sais pas où ça. Y a des ogres, là. C'est les ogres? C'est quoi? Ouais, on dirait... Ah, c'est là. C'est Shaman Ogre. Shaman Ogre, d'accord. Okay, habit ensanglanté. T'as trouvé, c'est où? Là. L'inconnu blessé? Ah oui. Ah oui, bien joué. 3, 2, 1, go. Allons-y. Encore un lambeau d'habit? Le sang paraît plus épars. Une vieille plaie, peut-être. Continuons de chercher. Pourquoi ce gars brillant blanc? J'ai une imote. Ah d'accord. Mais c'est classe. Ouais, j'ai cru que c'était une pierre d'âme, en fait. Chercher ici. C'est le but. Au début du jeu, on se cachait. Attendez, c'est ça, les gens, ils croyaient que c'était là. Un camé? Le visage paraît... On ne l'a pas abandonné là par accident, marcheur. Il doit y avoir d'autres indices à trouver. Merci pour cette évidence. Oui, bah oui, mais en même temps, nous, les évidences, on nous connaît. Hein. Une comptine froissée. Ah, ça... Ah, ce vas-y, bruit, j'ai l'impression que tu veux la lire. Non, désastre. Allez. Ah, mince. Continue, n'est-ce pas? Oh non. Allez. Oh, tu l'as fait exprès. Srendar, aie pitié. Dépêchez-vous, marcheur. Je suis sûr, on l'a dans notre inventaire. Cherchez. Du coup, j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Continue froissée. Alors, continue ouais, froissée, c'est bon. Tout va ouais, bien. T'as aucune excuse. Aucune excuse. Ouais, elle est toute grosse, celle-là. J'ai essayé. Non seulement tu la lis, mais tu la chantes. On t'écoute. Ah oui, c'est ta punition, voilà. Ah non. Alors. Une soif de vertu composée par un ami. C'est pas chanté, ça. Non, mais ça, c'est le titre. Et, mais je le chante sur quel air? Sur ce que tu veux, on s'en fout. Ok. De berceau de Srendar, sans soupe dans la louche, ni eau pour mettre le thé en bouche. C'est génial. Les flasques s'étiolent, les esprits s'attristent. Où sont les esprits altruistes? Nulle larme ne fut versée, les vivants renversés. Lorsque l'eau coula comme le vent, une seul mérite quartier, ça ne veut rien dire, et cela lui sera dit, le chaton épargné par la maladie. Ok, voilà. Et tu t'es perdu sur la fin, mais sinon ce n'est pas oui. Vrai. Oui, toi, c'est le cutest thing. C'était adorable. Ton entraînement c'est... pour Twitch Sing. Oh putain, c'était adorable, c'est divin. Oh, c'est fantastique, moi j'adore. J'ai été touché. La fin m'a troublé, mais... Oui, bien sûr, mais j'ai été... Moi, je suis friable aux enfants qui chantent des comptines, si tu veux. Alors... Tu les amènes dans ta maison après, tu leur donnes des bonbons. Oh non. Alors déjà, je peux pas te permettre de... Je reconnais le motif. Venez, continuons de... Venez. Peut-être... Elle va très bien. Come on. On y va, alors. Alors,
c'est faisable. En bas, oui, ça va pas faire mal ça. Ouch. Poulade, tout va bien. Oh, c'est quoi ça, une harpie? Bonjour madame. Ah, je me ramasse par la pièce. Et bonk. En plein milieu du chemin, comme ça, c'est le truc pas louche. Ça sent pas le, ouais, ça sent pas le piège, tu sais. Un petit ador en plein milieu. C'est marrant ça là quand, ouais, je, regarde fois, je, loin, dans quand je regarde le sol, balade, ça la gaz de billets en plein milieu. Bien sûr, tu les ramènes à la police. Ah bah non, je les ramasse pas, c'est un piège. Ramène. Ah d'accord. Pardon, j'ai faim. Je peux? Pièce griffée, bon. Bah serre-toi, vas-y. Enfin, bien sûr, nous trouvons une pièce de mort. Quelque chose qui scintille, à emmener dans les sables derrière les étoiles. Ah oui, c'est vrai, ils ont ça. Nous devrions parler. C'est comme pour les mariages, un truc bleu, un truc vieux. Ouais, ouais, sans doute, mais voilà, quand ils meurent, effectivement, ils doivent donner un truc qui est scintillant, sinon ils peuvent pas ajouter à la mer de sable infini, là, au sable derrière les étoiles, qui est en fait l'Aetherius. C'est Sauvengarde, en fait. C'est juste une version de Sauvengarde, mais pour les Khajiits. Ouais, c'est ta petite pièce pour passer. Perso, je préfère Sauvengarde, je trouve ça extrêmement viril, mais le sable derrière les étoiles, ça doit être ultra confortable. Moi, j'aime bien. On parle ça à Vesby. Vas-y, vas-y. Oui, Vesby. 3, 2, 1, go. Ces bandages ensanglantés, ce camé, ce lange, tout cela nous amène à un endroit interdit. La litière de Baandar. Je ne vous ai pas tout dit, marcheur. J'ai un intérêt très personnel dans cette histoire. Elle a parié 100 pièces avec son père. Que... Voilà, c'est... Elle a parié 100 pièces d'or. Ouais. Vas-y. C'est à moi, du coup, pas vrai? Oui, vous aviez l'air de reconnaître ces objets. Que m'avez-vous caché? Miaou. Miaou. La pénurie. C'est ma faute. C'est pour ça que j'insistais pour enquêter. Chaque année, à mon anniversaire, quelqu'un laisse un cadeau devant le cloître. Des cadeaux comme la comptine, la pièce et le camé que nous avons trouvé, vous voyez? Donc, la personne qui vous donne des cadeaux a laissé une piste pour vous amener ici. Pourquoi faites-vous un lien avec la sécheresse? Quelques jours après l'assèchement de l'aqueduc, on a laissé une cruche d'eau fraîche devant ma porte. C'était un message, oui. Un message pour moi. Miaou. Et maintenant, nous trouvons ces souvenirs et des bandages et... Tout cela mène à la litière de Baandar. Mes réponses... Nos réponses doivent s'y trouver. Du coup, on attend Crane. Chier dans la colle. On attend Crane dès qu'il dit qu'il est bon. Oui. C'est good. Merci. Très bien. Je comprends. Vous dites que cet endroit est interdit. Pourquoi? D'antiques fantômes hantent ces lieux. Des esprits contrariés gémissent et hurlent dans la nuit. Si Lujo a toujours insisté pour que nous restions à l'écart, je m'en veux de lui désobéir, mais nous n'avons pas le choix. La dernière porte de débordement et la personne que nous cherchons doivent être à l'intérieur. Vous êtes prêts? Oui, en route. Miaou. Quelle idée de bloquer la porte de débordement à l'intérieur d'un temple, surtout d'un temple où il y a des tas de morts. Quelle idée de faire passer de l'eau pure dans un endroit qui sert de mausolée. Non. En tout cas, c'est cool. Un coffre. Ce soir, ouais. J'allais rentrer dans une litière. Mais... T'y arrives? Oui. Tu. Bien joué. Bon. Ok, très bien. J'y arrive, mais m'insulte pas. Non. C'était une professionnelle. C'était pure politesse. Attention, marcheur. Les fantômes pourraient émerger à tout moment. Hop, attends, elle est où l'entrée? Une patriarcat. Oui, c'était... Attendez. C'était le professionnel qui commence comme paternaliste. Tu y arrives. Pourquoi s'est-il enfui? Il court. Oula, voulons de mal il à court personne. Pas aussi vite que moi. T'as des harpies en haut, regardez. C'est trop bien. Non, regarde pas, on court. Si, regarde, ils sont trop bien. Too fast. Le voilà. C'est le même qu'avant. C'est bien parce qu'il disparaît puis il réapparaît. Oui, il y a quand même un... Endroits, c'est pas le même pas à chaque cohérent. Fois. Hein. Mais attendez, qu'est-ce que c'est vous cherchez? C'est pas le même, ils sont plusieurs. Hein. Je sais pas mais... ce que vous avez vu. Hein. Quelqu'un qui court. Si, on suit un monsieur. Ah. Du coup, il est où? Bah oui, regardez des harpies qu'on voit déjà partout. Ah oui, putain, mais il cavale en plus. C'est moi qui ai appris de nous y mettre. Ouais. Ah oui. Ça part. Mon cher enfant, enfin tu rentres à la maison. Je l'avais dit. Gros doublage. Quoi? On veut simplement rétablir l'eau. Must be. De l'eau? Non.
Vous venez chercher des réponses, mon enfant. Les réponses de la cendre. Emmenez-la à notre campement de la porte de Pahandar. Tuez l'autre et purifiez-les dans les flammes. Le feu purificateur va bientôt nettoyer tout le berceau de Srelda. Ah ! C'est une hérésie, donc. Bah, très bien, allons-y. J'ai pas compris. C'est une hérésie. Tuez-les tous. J'ai pas compris, je faisais de la cuisine. Brûlez ! Voilà. Non, il y a un endroit où faire la popote. Et bon. Donc il a dit, vous venez pour trouver des réponses, et finalement il nous a balancé sur la gueule, j'ai pas bien saisi pourquoi. Oui, si, si, bah en fait, il veut pas rendre l'eau. Moi c'est tout ce que je comprends. Nous on était là, salaud, rends l'eau ! Et il était là, non, vous cherchez des réponses. Et puis il nous a attaqué. Il a détourné peut-être. Donc on trouvera des réponses en lui coupant la tête. Attends, parce que moi j'ai toujours survivre à l'embuscade. Ah, tu n'as peut-être pas encore survécu. Ouais, moi, vous aussi, moi, vous avez aussi toujours survécu. Ouais, toujours. Ça aussi. Parce qu'il reste un mob. Ah, il reste un mec. Ouais, il reste un mob là-bas. Il en reste un. Lui aussi, il voulait survivre à l'embuscade. Mais voilà. Elle est où, Vasby? Où est le Sby? On va la chercher. Ah, par là-haut. Par là-haut, par là-haut. Et voilà, vite! Par ici! Ah, Siloujo! Je suis sûr que lui a caché l'existence. Où est-ce que t'as caché Vasby? Où est l'eau? Quoi? Il j'ai rien compris. Net. Allez, j'ai rien compris. Attends. 3, 2, 1, go! J'ai tout vu. Nous devons sauver Vasby. Vite! Je vous en prie! Du coup, c'est à moi ou il y a quelqu'un qui a pas fait? Ouais, non, c'est à toi. Siloujo, que faites-vous ici? Je ne suis pas le père de Vasby, mais je tiens à elle comme à ma fille. Quel parent laisserait son enfant parcourir le cage avec un inconnu? Je vous ai suivi de loin, et pourtant je n'ai pas pu arrêter Vasby. Les chats atteints l'ont emmené plus loin dans le canyon. Leur chef a appelé Vasby par son nom et a encouragé les siens à brûler le berceau de Srendar. Pourquoi? La peste. Avec le temps... Certaines blessures guérissent, mais d'autres deviennent purulentes. Parfois, même les meilleurs guérisseurs ne voient pas tout. Pardonnez-moi, je suis un vieux chat et je divague. Nous devons aller à la porte de Bahandar pour éteindre les flammes et sauver ma Vasby. Il faut sauver son Sby. Très bien, Sby. Allons sauver Vasby. Il y a une caverne au cœur de la litière. Si mes souvenirs sont bons, elle grimpe jusqu'au portail de Bahandar. Nous y trouverons sans doute Vasby et ce qui bloque l'aqueduc. Venez, faisons vite. Et comment comptez-vous sauver Vasby? Je vais essayer de faire entendre raison à ces chats terrorisés. Pour soigner une maladie, il faut connaître la cause du mal. Les anciennes haines ne sont pas si différentes. Nous perdons du temps à parler de tout ceci. Gardez confiance, Srendar nous guidera. Au revoir. Et bonsoir, Lyr. Qui a sorti Nuzimet? C'est pas... Puis-je vous aider? Pas moi. Je pense que c'est... Deux secondes. Ça doit être toi, Cringe, je pense. Non, elle me suit pas, là. Ouais, moi, je suis en train de vendre des trucs. Ah. Moi, je vois pas de Nuzimet. T'es sûr que c'est pas la tienne? Bah, j'ai pas de Nuzimet, si. En tout cas, je l'ai pas sorti. Envoyé. Ah, c'est bon, c'était la tienne. Si, si, elle est mais bon. Mince, je l'ai re-rentré il y a deux secondes. Elle arrête pas de sortir. J'ai la touche A ou je sais plus quoi en France. On est en 2019, hein. Tes femmes rouges gardes, elles resteront pas éternellement dans la cuisine. Elles sortent de temps en temps. Elles sortent et elles sortent. Putain. Ah, si, ils attaquent maintenant. J'étais rouge, mais pas agressif. On ah, c'est dans... des zombies. Ils déguerraient. On était dans le vide. J'adore cette tenue. Oui. Elle ces va malades bien, chat. Que vous voyez, nous les appelons les atteints. Après que la peste Naaten a ravagé leur corps, la société d'Elsewhere les a rejetés. Ah. Mais attends, ils sont rejetés juste parce qu'ils sont moches? Oui, bah c'est un automatisme classique d'une société de rejeter les gens qui sont pestilentiels. Oui, ouais, ils sont pas contagieux, semble-t-il. Ça, mais ils sont malades. C'est une peste. Ils sont malades. C'est triste. Je crois que le monde il est gentil avec les chicas. À un moment, quand t'as pas les moyens de soigner la lèpre, bon bah t'éloignes les lépreux.
En termes de société, hein, bien sûr. Je dis pas qu'humainement ouais, c'est oui. bien, mais c'est ça, pour moi ça me choque pas, historiquement parlant. Bah ça fait du sens, hein. C'est ce qu'on appelle la quarantaine. Hein. Un jour, ils se sont présentés au berceau de Srendar pour demander la guérison. Mais le vizir du roi aurait brûlé notre adeptorium s'il avait appris que nous les acceptions. Bah là, il y a d'autres problèmes, par contre. Attends, ils ont pas... Là, il dit clairement qu'ils ont pas voulu les guérir, hein. C'est... Oui, là, c'est pour ça. Tu vois, là, il y a un problème. Là, tout de suite, là, sociétalement, c'est moins bon, là. Quand les hôpitaux les refusent... Vous devez comprendre pourquoi ils nous détestent. C'est ma faute. Ils veulent brûler notre foyer... car je les ai abandonnés à la mort dans la litière de Bahandar. Bof. Ah, crétin ennemi, hein. C'est quoi? Moi, c'est pas ma culture, je juge pas. Il y a peut-être une pénurie de médicaments. Il y avait plus d'eau. Il y avait plus d'eau. Ah non, c'est pas... C'est qui, ça? Non. Il y a monsieur avant. Ah, attendez. Je nous parlais, ouais. Je dois vous parler. Ok, t'es rentré. Allez, oui. C'est bon. 3, 2, 1, go. Avant de continuer, nous devrions parler. Vas-y, Crane. Mais j'ai déjà fait. Ouais, mais t'as pas assez. Moi, je suis tourné et tout. Que vous arrive-t-il? La porte de Bahandar se trouve derrière cette porte. Le chef des Atins aussi, le père de Vasby. Son amour et son chagrin se sont mués en haine contre moi. Je ne me fais aucune illusion. La mort m'attend derrière ce passage pour mes actes passés. Vous le croyez vraiment? Je ne crains pas cette mort, si elle sauve Vasby. Mais avant, je dois vous poser une question. Vous connaissez à présent l'histoire du berceau de Srendar, des malades qu'on a abandonnés à leur mort. Lorsque j'aurai disparu, Vasby aura des questions à vous poser. Que lui direz-vous? Qu'est-ce qu'on lui dit? Bah, j'ai pas encore pris de décision, tu peux delay encore. Ouais, non. Je pense que je veux dire, j'ai pas encore pris de décision parce que la deuxième, elle est trop forte, la première, elle est trop soft, et la deuxième. T'as pas juste ce milieu, ouais. Trop soft? Ouais. Attends, c'est ce que vous pensez? Non. C'est un médecin, il a fait ce qu'il pensait de mieux pour son hôpital, il continue à soigner des gens, il a condamné des gens qui maintenant nous attaquent à vue et certes, de par ses actions, sont devenus nos ennemis, mais sont nos ennemis. Si on faisait partie de son histoire, oui, on serait en mesure de le juger. Mais là, partant du postulat qu'on est des mercenaires, qu'on est venus, qu'on s'est fait attaquer à vue et que maintenant ils ont bloqué l'eau de la population, même si le passé le rattrape et que leurs actions étaient, entre guillemets, justifiées de leur point de vue terroriste, ça reste des terroristes. Attends, la première phrase que t'as dit, that's the fucking point, genre, c'est un médecin. C'est oui. un médecin, il a refusé de soigner des malades. Qu'est-ce qu'il te dit que dans l'avenir, il va pas refaire des merdes, tu vois? Et lui-même, enfin, ton serment d'Hippocrate. Quand bien même ce serait culturel. Quand bien même ce serait le cas, un médecin mort soignera 0 personne. Un médecin qui refuse de soigner la moitié des gens qui viennent est un médecin qui soigne 5 personnes sur 10. On le garde. Non, pour un servien à choisir qui doit vivre ou mourir, et le complexe de Dieu, c'est pas ouf chez les médecins. C'est un médecin. Moi, je pense qu'on n'a pas encore pris de décision. Oui, on verra plus tard. C'est toi qui parles, donc c'est qui... Bien sûr. Je n'ai pas encore pris de décision. Je comprends. Il est parfois difficile de savoir quoi faire dans cette situation. Mais je ne pense toujours pas avoir eu tort. C'était méprisable, cruel, mais juste. J'espère que mon enfant le comprendra. C'est pas ta gosse. Vasby nous attend. Allons-y. Oui, sauf que Vasby se considère comme sa gosse, donc à un moment ça compte. Ou alors Vasby n'en a rien. On se fout de l'opinion de Vasby. Est-ce qu'on se fout pas de l'opinion de tout le monde et roule sur tout? Oui, c'est pour ça. Pourquoi brûler un hôpital pour rien? Oui, puis bon. Si... D'ailleurs, Vasby, il y a une receleuse là. Vous êtes sain et sauf. Ah! Oui. Non! Vous ne pourrez plus corrompre ma fille, adepte! Non. Ah non, putain, mais fallait pas! Ah! Bravo, Élise! C'est pas grave, c'était pas ton vrai père? Quoi, bravo, Élise? Félicitations! Ah, regarde ce que t'as fait! On aurait pu lui remonter le moral avant de mourir. On aurait pu écouter Vasby. Regarde ce qu'elle fait! Elle est en train de soigner, tu vois, le serment d'Hippocrate! Elle est médecin, elle pourtant, non, elle le fait, alors voilà.
Enfin, si elle le relève, c'est de la nécromancie. Ouais, hein, moi, je l'habite direct. Et là, si c'est de la nécromancie, je me range de ton côté. On le réexécute. Parce que bon, il est mort. Il est mort et c'est dommage. Mais un mort, ça reste mort. S'il est mort, on a le droit de voter. Ça va commencer à déséquilibrer les. Ça fait élire Donald Trump après. Donc, c'est un problème. Si tu... On parle à Masby. Vas-y. Allez. Oui. 3, 2, 1, go. Si Lucio. Non. C'est ma faute. Que Srendar me pardonne. Ah, c'est vrai qu'elle a raison, techniquement, c'est de sa faute, on a rien à se reprocher. Le mec qui cherche à se dédouaner. Toi, Babou. Non, techniquement, c'est la faute de ceux qui ont Tarilo. Oui. Mais ça, ils ont Tarilo parce qu'à la base, c'était la faute du médecin. Donc c'est la faute du médecin. Enfin, c'est la faute de la peste, hein, la si tu veux aller plus loin. Gens mais. Qui ont codé le jeu. Hein. Tout ceci est la faute à Vivek. Brise pas le quatrième mur, Crane. Est-il en vie? Il respire encore, mais à peine. Je le ramène au berceau. Mes mains tremblent. Ulzar, le chef des Atteints, utilise une magie atroce. Il m'a dit que les adeptes m'avaient arraché à ses bras et lui avaient tout pris. Il a dit que... Il a dit que c'était votre père. Oui. Il dit qu'il m'a déposé des cadeaux pour que je ne l'oublie pas. Mais en me voyant devenir de plus en plus proche de Silujo, proche de l'ordre, il a fini par désespérer. C'est lui qui m'a attiré à la litière de Ba'andar. Et maintenant, il compte brûler l'Adeptorium. Nous l'arrêterons. Pitié, Marcheur. S'il est possible d'épargner Ulzar, soyez clément. Je sais qu'il est fou, mais perdre deux pères en même temps... Que Srendar me vienne en aide. Je suis perdue. Lune. Pourquoi Silujo est-il venu? Il devait bien savoir que les Atteints le tueraient. Il a fait cela pour vous sauver. Je n'aurais pas eu besoin qu'on me sauve si j'avais obéi à Silujo. Il est là à cause de moi. Il meurt à cause de moi. Silujo nous a dit qu'il y était prêt. C'est sa pénitence. Pour ce qu'il a fait, il y a très longtemps. Je sais. Ulzar m'a tout raconté. Sa venue avec ma mère jusqu'au berceau, la petite Vasby dans les bras. Il a décrit la longue marche vers la litière de Ba'andar et les nuits froides et sans lune. Encore des souffrances dont je suis redevable. Redevable, mais pas responsable. Vous ne pouvez pas vous sentir responsable de tout. Bien sûr que c'est ma faute. Si la femme d'Ulzar ne m'avait pas portée dans son ventre, il ne serait jamais venu au berceau de Srendar. Si je n'avais pas voulu rétablir l'eau, Silujo serait en vie. Allez trouver Ulzar. Je dois travailler. Et si tu n'avais pas largué toutes ces caisses durant ta vie, tu serais morte en implosant et rien de tout ceci ne serait arrivé. À un moment, faut arrêter. Mais c'est ça. J'avoue. Putain. Bon. C'est très presque une mentalité chrétienne, c'est de prendre son bâton et se faire s'auto-battre là. Là c'est Vasby, elle se met des coups de Vasby. J'espère qu'elle pourra sauver le chaton et j'espère que nous pourrons exécuter le gros. Ah bon ? Allez. Oui, parce que le gros sbi, le sbi géniteur. Oui, gros sbi, le géniteur, pour la bonne simple raison que c'est un terroriste. Attends, fallait que je mange ma receleuse du coup. C'est bon. Elle nous l'a demandé en plus de le laisser en vie. Ah oui, mais son opinion compte pas, Elise l'a bien fait comprendre. Voilà. Si la viande des polices a bon goût. Bizarre. Je me demande si la viande des polices a bon goût. Eh ben tiens, goûte celle-là. De toute façon, il a pas le choix. Voilà, il est mouru. Je suis désolé. Ah, vous pouvez pas le garder en vie du coup. Ah, peut-être que le choix. Ah bah non, on l'a pas. Ça se trouve, on l'aurait pas tapé, peut-être que. Non, il était. Ah non, clairement, il était agressif. Il était marqué comme boss. Le premier truc qu'il a dit, c'est je me demande si la peau des polices a bon goût. À un moment, moi étant une police, j'ai fait de la violence policière, si tu veux. Ah ben voilà. Je veux dire, moi j'accepte d'épargner des gens. Mais pour ça, il faut que ce soit des gens. Ben ça y est, ça coule là. Alors. Ouais, c'est un joli bruit. Ouais. C'était le drame. Suivons l'aqueduc, retournons à la ville. Bon, enfin, je maintiens que le perdre
deux papas le même jour. Ah, c'est bon, tu te rappelais même pas du premier, il était déjà censé être mort à un moment. Ouais, c'est un zombie qui fait des actions terroristes contre ton priori et qui t'empêche de soigner les malades actuels. À un moment, et qui veut tuer ton gentil papa. Je sais qu'en 1970, on lui a fait une crasse, et c'est terrible. Mais à un moment, bon, bah, l'adversité, tout ça, il bouffe. On me dit qu'il y a une chouette quête au sud. En plus, de toute façon, c'est de sa faute. Il voulait pas être lépreux, il se lavait les mains, c'est tout. Au sud. Dégueulasse. Il se léchait la fourrure. Voilà. Au sud de où, d'ici? Ou au sud-sud? Parce qu'au sud-sud, il y a des quêtes. Je crois que quelqu'un m'a dit qu'il y a une chouette quête au sud. Non, ouais. On ne sait pas. Je ne fais que... C'est tout au sud de la map, je pense. Bon, eh ben, la flotte est revenue. À qui devons-nous parler? Ah merde, il est mort. Ah, vas-y. Ah bah il est mort. Ah, lui aussi, il a été atteint d'un... On vit au sud de la map vers une ferme. Ouais. Ah, d'ailleurs, il y a un bouquin. Oui, je vois de laquelle il parle. C'est une des quêtes qu'on doit faire, Alice. Je pense que c'est une secondaire, non? C'est une secondaire, ouais. Après, c'est pas une importante, mais elle est cool. On n'a pas un instrument cagite exprès pour ça? Ouais, dans ce cas-là, attends, Medo Dragonson, s'il te plaît, arrête de faire du luth et laisse quelqu'un sortir la sitar, s'il te plaît. C'est quoi sitar déjà? C'est. Ah bah voilà, quelqu'un le fait, c'est nickel. Voilà, et là c'est nickel. Là, voilà. L'ambiance est totale. Ah, j'avoue. Merci Dragonson et merci okay. Mardaotan, allons-y. On parle à Vasby. Allez, 3, 2, 1, go! Vous êtes revenu. Tant mieux. J'ai déjà trop perdu aujourd'hui. Si Lojo n'a pas... Je n'ai pas pu... Il nous a quittés. Son âme arpente à présent les sables derrière les étoiles. En plus, elle est mauvaise médecin. Ah, c'est à moi. Et en plus, t'es nul. Je suis désolée. Les autres adeptes le pleurent comme moi. Mais ils ignorent la vérité de sa mort. Ou le coup de l'eau que vous avez rétabli. Mais vous, vous savez... Et moi aussi. C'est peut-être trop lourd à porter. Que voulez-vous dire? J'aimais cet endroit. J'adulais Silujo et les autres guérisseurs. Je priais Srendar de me donner la force et la sagesse pour le servir aussi bien que mes prédécesseurs. Mais le berceau de Srendar est un mensonge. Mon rêve est un mensonge. Oh! Que puis-je faire? Drama Queen! Comment ça, le berceau de Srendar est un mensonge? Pardon, elle m'agace profondément. Les habitants d'Elsewhere pensent que les adeptes du berceau ont fait des miracles pour arrêter la peste. Et maintenant, je découvre qu'ils ont seulement laissé les malades mourir loin des regards. Comment l'ignorer? Comment consacrer ma vie à un tel endroit? Alors là, j'ai envie de la jouer à la Scar. Pars, Simba. Loin, cours, et ne te retourne jamais. Enfin, la 1 est quand même plus logique. Quoi. Mais évidemment. Mais... Ah, ça va. Oui, bah, sauf qu'elle est 1, pas bon médecin, et 2, vive bercé d'illusions, mais gens, avec une culpabilité. Les gens sont là, ah là là, plutôt que de soigner les pesteux, l'hôpital a décidé de les quarantiner afin que tous les gens de l'hôpital ainsi que les autres malades de l'hôpital ne meurent pas de la peste parce qu'il n'y avait pas de remède connu. Je suis désolé, on appelle ça la procédure régulière. Pour la bonne simple raison que si t'as un zombie dans ton hôpital, c'est bien joli, il est blessé, il faut le sauver, sauf qu'il va manger le père va devenir un zombie, puis il va manger l'infirmière, puis l'infirmière va manger le docteur, puis le docteur va manger un autre patient, etc. Un moment, merde, c'est triste, alors, mais voilà. Oui, mais j'ai pas dit qu'il devait le mêler à la population, je te dis qu'il aurait dû tenter de les soigner, et déjà ça. Mais ils ont essayé. Ensuite, ça n'a rien à voir. Je suis persuadé qu'ils ont essayé, mais qu'il n'y avait pas de remède. C'est le principe d'une peste d'Edric, si tu veux. À un moment, une peste d'Edric... Le seul qui aurait pu soigner la peste d'Edric et qui réussira à soigner une peste d'Edric, c'est Divide Fear. Et Divide Fear, oui. Bon, bah mais Divide bon. Fear, Divide Fear, voilà. Admettons, mais Divide là c'est Fear, pas le what sujet. Else, what else, what else. Là, le sujet c'est soit votre rêve de devenir guérisseuse a encore un sens, soit partez, vous pouvez pas vous définir par rapport à cet endroit ou à ses échecs. Elle sait que cet endroit est une fraude, elle va vivre avec ça sur la conscience tout le temps ou elle se barre et elle va vivre une autre vie.
Comment ça, moi, je verrais bien la deuxième solution. Comment ça, une fraude? À partir du moment où elle soigne des gens, elle est belle. Comment ça, une fraude? Tous les gens qui rentrent pour se faire soigner se font soigner. Les gens qui sont condamnés à mourir meurent. Ou alors s'ils meurent en mourant les autres, ils meurent ailleurs. Je comprends pas l'illogisme mais derrière. L'histoire de cette ville est basée sur un mensonge et elle le sait. Mais que les autres mensonge. Ne sachent pas et qu'ils continuent à. Bah, qui est. On a essayé d'aider les gens au lieu de les laisser mourir dans un. Dans bah, un coin. Mais c'est sûr que tu vas pas placarder en haut, en gros et en brillant. Salut, nous avons expulsé tous les lépreux. Venez, c'est brillant, c'est juteux. Oui, mais je dis pas qu'elle devrait le faire. Je dis que. Il y a une de mes trucs qui me gueule dans les oreilles. Je dis juste que elle sait que tout est basé sur un mensonge, qu'elle se sent coupable, donc autant qu'elle fuit et qu'elle aille faire une autre vie plutôt que se tanner. Mais rien du tout. Au contraire, elle peut prendre ses couilles, reprendre l'affaire de son père et laver le déshonneur et l'affront lié aux erreurs du paternel, pas les siennes. D'accord. Depuis quand les erreurs sont héréditaires? Bordel de chiasse. T'es as, tu fais ta gueule. Ok, on continue. D'accord. Bon, du coup, Crane, oui, non, pour moi la 1 est complètement logique, quoi. Ouais, tout à fait. Après, si elle nous dit « Ah bah, j'ai envie de partir, je vais faire ma vie ailleurs. Ouais. » Oui, après, ailleurs, en plus, je sais même pas pourquoi elle nous demande notre avis. Elle fait ce qu'elle veut, on s'en bat les couilles. Bon, bah, là, allons-y. Élise ? Oui. Attends, je me convainc. Ah, d'accord. Restez, votre rêve de devenir guérisseur a encore un sens. L'histoire n'y change rien. Oui, je vais rester. Mais je refuse de mentir sur ce qu'il s'est passé ici. Si Lujo a fait un choix impossible, mais le peuple doit connaître la vérité. Ça, c'est bien. Merci, ouais. Marcheur. Nous nous connaissons à peine, mais vous êtes ce que j'ai de plus proche d'une famille à présent. Oh merde, Crane, t'as un ticket. Vite, le colis anti-pouche. Attends, je regarde le ticket. C'est marqué Bob est relou. Ah, c'est ce ticket là. Et puis vous êtes ce qui est le plus proche d'une famille à présent, Daddy Issues, hein, là, dans ce cas-là. J'avoue. Tu prends le ticket Bob est relou, tu le retournes, il y a quand même le numéro de Vasby au dos. Ah. La suite. On a compris. Ouais. Go. Frère, sœur, je dois vous parler de la mort de Silujo. Avant son trépas, j'ai appris la vérité sur les atteints, sur le rôle que les guérisseurs ont joué dans leur souffrance, mais plus maintenant. Au nom de Srendar, nous devons nous rendre à la litière de Baandar. Nous devons aider les atteints et tenter de guérir cette vénérable blessure, pour leur bien comme pour le nôtre. C'était trop classe avec l'instru. Là, ça rend bien, ouais. Ouais, il est chouette, vraiment. Ah, il est. Et tout le monde peut le faire, ça, ou c'est meilleurs. Seulement les Khajiits qui peuvent en jouer? Non, c'était, il faut, c'est une émote que tu gagnes. Mais je me souviens plus du nom de la flûte, je vais la retrouver. Attends. C'est dans les caisses actuelles ou c'est Esrage ou Esjar? Esrage. Ah oui. Genre, on peut l'avoir là ou pas? Ouais. Moi, si tu l'as eu, ouais. Regarde, tiens. Mais tu vois, ils ont dit, là, on doit y retourner et tenter de vaincre la maladie. Ça veut dire qu'avant, ils ont pas assez tenté. Voilà. Ouais, mais ils vont crever parce que les maladies, ils vont les manger, si tu veux. Sans faire exprès, j'ai appuyé sur les caisses, je pense que c'est... Crane, si tu veux, et que tu l'as pas, tu peux l'acheter pour 16 gemmes à couronne. Ah, 16 gemmes, hein. Attends, les caisses, d'abord. Si on utilise 16, il me reste plus que 1255. Ah, mince, ouais, c'est vrai que... Il y a un bouquin juste à côté, ouais. Les caisses, on s'ouvre des caisses. Allez, c'est parti. Oui. Guide du Nord d'Elsewhere, blablabla. Très bien. Des caisses, êtes prêts? Allez. Les caisses 3, 2, 1, c'est parti! Allez, chatons, sauce-nous! Mais vous en trouverez parfois une cinquième, spéciale. Ah, avec une bleue. Oh. Des cieux fumés. Marquage faciaux de la fierté d'Alcoche, j'ai eu. Bah, moi j'ai les mêmes, mais en marquage corporel. Oh, stylé. Ah, bah, j'ai eu la fligée de pyrite. Ah, bah, bien. Et j'ai eu le marquage faciaux, j'ai eu une bleue et une violette. Choisissez une récompense. Une deuxième caisse? Ouais. Délicieux. Masque de poupée de Dibel. J'aime brillante. Ah, mais t'as déjà ouvert la deuxième? Très bien. Ouais, j'ai ouvert la deuxième. Oh là là. Allez-y. Mais tu nous dis rien. Je sais. Oh, attends, il y a une violette. Un papillon. Allez. Non, j'ai eu Vive Lune, un memento. Ah, bien. On va voir. Ah, quoi j'ai la boussole lunaire Bandari. Stylé. Alors, Vive Lune. Et un papillon. Un papillon. Un papillon. Raccourci. Fais voir Vive Lune. C'est quoi ça? J'aime du dragon. Papillon de lumière. Rocher de feu, le gâteau. On va mettre à la place.
Alors, Memento, et on a dit Vive. Ah, il est là. Vive. Un papillon. Évolue. Hop. Papillon. Attention, vous êtes prêts? Ouais, je regarde. Ouais. On y va. Ah oui, c'est très stylé. Wow. Celui-là. C'est pas mal. Hein. Avec ma sœur et Segunda, c'est très très beau. Ce serait cool qu'elle disparaisse pas tant que tu bouges pas, et c'est peut-être le cas. Oh non, dommage. Oh, non, non, c'est limité. La plupart des emotes sont comme ça, c'est dommage, comme le tambour de tourbe. T'auras envie que ça dure, tu veux. Oui. Alors, par contre, à qui est l'espèce de petit léopard Oslo à côté? Qui est juste divin. Petit léopard Oslo. Ouais, ah, c'est bizarre ce PNJ qui est mort là, qu'on peut loot quoi en plus. C'est quand même. Tu peux le loot? Tout le monde peut le loot. Ah. C'est comme ça quand on voit tu veux tuer des gens si tu veux. On est lucide. Oui. Non, okay. C'est ce que je voulais faire. Attends, j'ai ouvert ça, je voulais. Alors, c'est dans quoi? Belle récompense, récompense supérieure. Ouais, si elle est pas chère. Supérieure, je pense, ouais. Ouais, jouer de l'esrage, c'est ça. Ah, vas-y, je vais l'acheter. Ouais, prends-le, c'est stylé. Ça tira bien. Extraction de gemmes, excusez-moi, je vais juste. Alors, et c'est quoi le. Esrage? Ouais. Yes. C'est que la mélodie est vraiment stylée. Vous pourrez échanger. Et ça, par contre, ça continue comme tu t'arrêtes pas. Oui, tout à fait, c'est une émote. Ah, ça, c'est top, ça. Ah, c'est vraiment très chouette. Est-ce qu'il y a des droits d'auteur sur cette mélodie? Puisse la chance. Ça devrait bien se passer, ça devrait bien se passer. Ah, vous savez que je me suis fait démonétiser pour les musiques dans l'autre. Oui, hein, non, c'est ça. Mais non. J'avais vu ça, j'avais trouvé ça absurde. C'est fantastique. Et oh, d'habitude, c'est comme Mortal Kombat, tu peux pas te laisser la vie. Mais des jours à te répondre. Et là, dans le message, je leur ai clairement demandé si la prochaine fois ils allaient démonétiser parce que j'allais siffloter un air au micro. Et ils m'ont répondu dans l'heure en me disant: ah non, le claim il est justifié. D'accord. Très bien. Merci, au revoir. Fantastique. Alors attends, pet. Ok, moi je voudrais juste un raccourci avec une potion, c'est possible. Là, non merde. Ah. Je peux pas. Je mets jamais de potion en raccourci. Ah, mais c'est probablement une erreur. Les potions de triple restauration à couronne, je les mets parce que ça save. Ça save pour des situations que je qualifierais d'hasardeuses. Situation hasardeuse, ça save. Ah. Toujours la bouffe, les potions. Moi, j'ai des trucs qui coûtent. Des mementos. Des emotes. Voilà. Des mementos. Et la banque. Ah putain, je l'ai, Vive Lune. Ah, super. Ah, tu l'avais, Vive Lune. Ah, quelle chance. Il est classe. J'avais dû le récupérer, ouais. Très, très stylé. Par contre, tu peux rien faire pendant le temps où ça se passe. Oh là 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 là. Et dire que ce sont des morceaux de l'Orcane. Bon, bah c'est pas grave. Du coup, la suite. Où étions censés. On fait les deux reines trouver Aneshi. Ouais, bah ouais, du coup, ça nous a mené à ce qu'on allait faire au tout départ. Ouais, c'est juste à côté, donc. Ouais, tout à fait. Elle était sympa, parfait. Cette petite quête, hein, du drama. Ah, elle était très bien, oui. Ouais, t'as fait. Il y a juste eu un moment relou, c'est le moment où elle prend la responsabilité de trucs qui n'étaient pas de son fait, mais à part ça, j'ai bien aimé. Absolument, parce que c'est fou, quoi. Je croyais que tu allais dire le moment où Bob a arrêté par là. Pour le 06. Non. Attends, c'est lui qui a commencé en lui posant des questions hautement indiscrètes, si je puis me dire. C'est pas ma faute, c'est le jeu. J'ai décidé de vous accompagner. Aneshi mérite que je lui annonce moi-même ma suite. Bienvenue à mon humble hôtel de Kulzari. Ici, nous nous remémorons les récits du héros de l'Elsewhere antique. Je me disais, c'est la voix de Kamira, mais ouais, du coup, normal. Ah putain, il y a des versets du proverbe de Kunzari sur les murs, là. C'est fumé. De quoi il parle? Regardez. Ah ouais. Ah ouais, attends, je pars en courant. Tu veux les lire? Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Ah, ce serait divin. Vas-y. Bah, c'est tout petit. Verset. Kunzari dit: la guerre est comme les deux lunes. Toujours là, mais pas toujours visible. Très bien. Verset 2. Kunzari dit:
Au printemps, lorsque les graines de sucre lune sont jeunes et tendres, un Khajiit apprend à marcher doucement sans laisser de traces de son passage. Telle est la voix de la patte silencieuse. Bien. Et, verset 3, allons-y. Kunzari dit... Si un Khajiit a beaucoup d'or, mais pas de griffes, il n'a pas de fortune, rien que des objets brillants. Ah, c'est pas mal ça comme dicton. Ouais. Le 4. Kunzari dit... Marchez en silence, invisible, vers le dos de votre ennemi et glissez une dague entre les côtes avant de disparaître dans la nuit. Voilà qui est Khajiit. Tu vois, c'est culturel. De votre ennemi, c'est marqué. C'est culturel. Pas du gars qui est à côté à qui je veux piquer de la thune. Combien de dagues t'as mis dans le dos à des prêtres qui étaient en train de prier, si tu veux. Voilà. Elle a usé 3 dagues, tu sais. Quelqu'un lui a dit, plus petite, ah, ça c'est ton ennemi, ça aussi à tout le monde. Tout ce qui est ton ennemi. Tout ce qui bouge et qui n'est pas un Khajiit. Et encore, même les Khajiit, tu peux y aller. Miaou. La violence. Tu viens parler On parle à Neshi. Attends, il est loin. Enfin, Élisée, ouais. Voilà. On compte ses sous de... Quand tu veux. On compte ses pièces. Allez, 3, 2, 1, go. Je n'ai plus beaucoup de visiteurs, mon ami. Peu de gens se réconfortent encore des aventures de Kunzari en notre époque troublée. Attendez, je reconnais votre amie. Elle a grandi maintenant, elle est plus sérieuse, mais je reconnais la princesse Kamira par Jod. C'est à moi, non ? Ouais, mais... avec Miaou. Oui. C'est la reine Kamira à présent. Et elle se souvient aussi de vous. Nous avons besoin de votre aide, Miaou. Ma chère épouse Zaima a travaillé un temps avec la milice après que nous avions échappé à la purge de Raxia. Elle transmettait des renseignements jusqu'à ce que les Euraxiens la capturent. Ils l'ont exécutée dans la cour du palais. Si je peux vous aider, je le ferai. Nous allons attaquer le palais de Rimmen, mais nous devons y entrer discrètement. Alors vous devez passer par les cryptes. Un passage oublié y mène directement aux cuisines. Je vais vous noter où trouver mon passe-partout. Il ouvrira une porte qui mène à la crypte depuis les égouts, sous le palais. Merci pour vos indications. Je vais chercher passe-partout. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'assassinat ? Grand Miaou. Je vous vois, mais je n'en reviens pas. Princesse Kamira. C'est bien moi, Châtelain. Mais me voici reine Kamira. Nous allons chasser l'usurpatrice de mon trône. Nous sommes près du château. Zaima, ma chère et courageuse épouse, a renseigné la milice jusqu'à ce que d'infâmes Euraxiens la capturent. Après cela, je suis venu ici entretenir cet hôtel. Je ferai de mon mieux pour vous aider, ô ma reine. Je vais rester avec Aneshi, Saint-Griff. Récupérer le passe-partout et rentrer à Rimmen. Ok. On clique sur la note. Allons-y. 3, 2, 1, go. Ouais, vas-y. Suivez la route vers l'ouest, tournez à gauche, au nord. 4 et pas. Oh putain, au secours. Ouais, ça va être cliché, t'en fous. Faut le faire avec une voix de GPS. Tournez à droite. Tournez c'est ça. À droite. Tournez c'est... à droite. Dans les ruines éparses, cherchez un escalier antique. Putain, nul. C'est terrible. Je crois qu'il faudra s'en rappeler ou tout sera indiqué. Non, tout sera non, indiqué. C'est indiqué. Pour l'amour de Jésus. C'est fini. Maintenant, pour c'est l'amour de Talos, faites que tout soit indiqué, putain. Oh, des marqueurs de quête. Au prochain croisement, faites demi-tour. Faites demi-tour. Faites. En vrai, ça veut rien dire. On vous met une énigme pour les jeux. C'est vrai que je les suis. Les étapes de réponse. Je suis d'accord avec toi, mais honnêtement, moi, s'il n'y a pas de petit bouton, honnêtement, tu vois, avec cette énigme, j'aurais laissé ça brut, mais j'aurais mis un petit bouton qui te permet de relire le papier instantanément sans passer par l'inventaire. Voilà. Alors, après, c'est vrai qu'en stream aussi, c'est pas plus mal pour nous. C'est vrai qu'en jeu, ce serait fun, ouais. Tu veux le voir. Oui, oui. C'est une grosse sorte. En off, fini la quête de la fresque qui chante, là. Là, pour le coup, c'était vraiment de l'enquête, de l'énigme. D'accord. C'était oui, très c'est cool. Vrai. En fait, toutes les quêtes, et il y avait la même chez les Argoniens, là, quand ils doivent remplir le musée. Mm-hmm.
Et bah c'est pareil, c'est toutes des quêtes qui sont pas obligatoires, mais... C'est des succès, ça. Ouais, bah c'est des succès, mais ça reste des énigmes. C'est comme pour la guilde des assassins, tu dois trouver des gens particuliers à tuer. Il y a un boss là juste à côté si vous voulez. Ouais. Pensez à recharger vos armes. Moi j'y pense jamais et là elles étaient presque vides. Ouais, je pense qu'il est en haut. Ouais, il est en haut. Il est juste en face. Qu'on peut faire tout le tour. De toute façon là on va arriver sur notre quête et peut-être qu'on va y arriver après à côté. Ouais. Possible. Ouais. Parce qu'il doit être en haut là sur le bâtiment. Je suis pas allé à la quête. Mmh. On va directement au boss. Oui, oui. Ouais, clairement. Tanar, le rôdeur spectral. C'est pas lui. Pas looté. La cible hors de portée. Oh, j'ai fait bugger. Ah, il s'est fait tuer déjà. Et ouais, c'est un gros lion. Gros chaton. C'est hein. le singe rat, ça. Ouais, ouais. Du coup, rat, on attend un petit peu ou. Ouais, on peut bien attendre 2 minutes. Tout va bien. On va se Maman! C'est ça. On va se poser sur un banc et puis on va jouer du S-Rage. Bah tiens, Crane, justement. Y'a pas des trucs à assassiner dans le coin? Où ça? Nulle part. Mets-toi sur le tombeau, là. Hop. Si t'y arrives. Réveille le mort. Impeccable. Plus qu'à te poser et puis slash S-Rage. Voilà. Et là, si je pouvais jeter des pièces, je le ferais. Tu peux, hein. Flip coin. Attends, Candy, comment on fait pour donner des bonbons? J'avais une emote comme ça. Les katas, les citrouilles. Il me semblait qu'il y avait un truc avec des pièces. C'est tellement apaisant comme musique, quoi. J'avoue, hein. Moi j'avais un petit oiseau. C'est apaisant mais c'est clairement pas assez métal. Moi j'ai trouvé la paix intérieure. Ça des heures, hein. C'est ça, j'ai trouvé la paix intérieure moi, ça y est. C'est la méditation absolue. Ah moi j'apprécie, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je propose qu'on fasse le live comme ça. Ah mais c'est beau. Excusez-nous, on est posé. Hein. On est posé. Alors il y a des gens sur YouTube qui regardent la VOD qui. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, c'est la soirée billard. Même c'est ça. Mais nous on est là. On est là, on apprécie la musique. Hein. C'est l'instant prière. Prier Alcoche, t'as d'hérétique. Ça me donne envie d'écouter les musiques comme ça en coupant le live après. Pour s'endormir, tu sais. Ah ouais, mais il faut prendre un bain en même temps. Bon, je ferai peut-être une ellipse, moi, pour le... Ouais, faudra peut-être, hein. Faudra peut-être. Mais il est pas bon poil, le cadavre. Le poney du mal. Ouais, c'est... Ah, c'est mal. Oh, je suis très méchant. C'est ça, c'est ça. Mon petit poney, avec Satan. Même debout, t'es dessus quoi, t'as pied quand même sur le poney. Où c'est quelle emote ça pour la. La tablette. On l'a ça? Oui, normalement. Il me semble qu'on l'a gagné avec. La quête, On l'a gagné avec les quêtes, ouais. C'est laquelle? Aucune idée. C'est un memento. Tablette de savoir archaïque. Tablette de savoir archaïque, exact. Ah tiens, j'ai des popos. Oh, je vais les enlever, hein. On en a pas besoin. Hein. Pourquoi faire? Oh, mon faucon. J'appelle mon faucon. Voilà. Elle est sympa cette tablette. N'empêche, les gens auraient dû apprendre hein, depuis le temps avec les Elder Scrolls. Hein. Quand tu vois ce genre d'écrit, tu sais, en cercle concentrique, quel que soit le support. C'est pas bon. Voilà, la bonne idée. Boss. La bonne idée, c'est de le cramer. Où ça? Je vois la barre de vie. Action! Technique à l'arc. Oh putain! Oh. Tout va bien, tout va bien! Et ça tanque, mon gars! Tac!
La mort bord de la balafre. N'est jamais la fin. Et des magnifiques loots blancs. Victoire. Gardien des tombeaux. Eh ben écoute, on se plaint pas. Nous avons petit vécu. Point de champion. Nous avons vécu des moments délicieux. Ah oui, je vais l'aimer. Oui. Parfait. Alors, repartons à la recherche de Tasha. Impeccable. Putain. On demande s'il y a du PVEHL sur Ezo. Pendant le déplacement, j'étais en train de me dire oui. Si j'allais chanter ta 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 ta. Mais j'ose plus maintenant. Putain. Là. Bien vu. Hop. 3, 2, 1, go. Ouais, je frappais un peu fort sur mon clavier. Ok. Rendez-vous le passe-partout, il était enterré là, d'accord, et on peut aller à Rimmen maintenant, super. Peut-être dire à Crane de TPR à Rimmen. Ouais, ouais, vas-y. Ça coûte 146. Allez. Oh, c'est minimum. Allez. Oh, il est beau, il est beau dans l'effort. Oh, la carte bleue de cet homme. Oh là là là. C'est moi qui fais l'effort en plus, c'est moi qui dois payer derrière. Évidemment. Évidemment. Moi, je me connecte tous les jours et tout. Mais attends, si nous on devait payer, vu qu'on fait pas l'effort, on n'a pas les moyens. Reste logique. Non mais, on a clairement compris que tu es le plus investi. T'es socialiste ou t'es non, pas socialiste? T'es aussi celui qui a le plus investi. C'est des astres qui se connectent tous les jours aussi. Mais des astres, on l'oublie, hein. Il se fait oublier là, il dit pas grand chose. Oui, parce que lui, il est de droite, il sait qu'il parle. Donc lui, il doit être vraiment riche. Combien t'as sur ton perso des astres, dis-nous tout. Là j'ai 98 000. Voilà. Sur celui-ci. Non mais j'ai 98 000 aussi. C'est ah ben voilà, tu vois. 278 voilà. Moi. Ah d'accord. Toi t'as combien? 54 moi. 288. Oh t'es plus riche. Bah tu vois t'es vachement plus riche que moi. Hein. Bah ouais, tu vois, c'est le capitalisme. Ah, c'est ça. Rigolo. Bah, c'est ouf. Misère. Du coup c'est bon, on peut non, te rejoindre. T'as le multi-twitch ouais. D'ouvert et t'as regardé combien j'avais c'est... Ah même pas non. Non ouais. Attends, on doit aller où? On doit aller là-bas. Parfait. T'as TP là, Crane, c'est bon? Ah oui, c'est bon. Ouais, vous pouvez, moi je suis en TP là. Je suis sûr que je me re-TP pas au même endroit. Alors moi je vais en profiter pour couper la vidéo là, puis je reviens. Re, chers amis, re, nous voici repartis en face de Camira. C'est elle qu'on doit aller voir. Rendez-vous à Rimmen. Il y a Camira et Cadwell. Cinq griffes. Par ici. Il y a quelqu'un d'autre derrière. Ouais. Il y a notre ami. Ah. Alors, faut que ça... Après, va falloir. Est-ce qu'il a fait du sport avant? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il a fait du sport? Attends. Oh, il faut commencer. Faisait des sit-up. Sit-up. Ouais, il faut. Sit-up, push-ups, les mecs. Voilà, histoire de se mettre bien. Sit-up. Ouais, c'est à lui de le faire, logiquement. Hein. Ouais, non, mais nous aussi, si tu veux. Allez, hop. Voilà. On se motive. C'est tellement improbable comme image. Ah, mon ami. Je voulais... Attendez. 4. Non, mais après, 5. Nous, on est torse nu, c'est normal qu'on... Ouais, faut congestionner voilà. Un peu, quoi. Faut qu'on se sente le galbe, quoi. Push it to the limit. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon, je me sens bien, là. Je me sens aimable et souriant. Allons. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là-bas? Il y a quelqu'un qui a une aggro là-bas. Voilà. C'est Articodé. Donc disais-je. On parle à Amnurtarn. Quand tu veux. Allez. 3, 2, 1, go. Je n'avais peut-être pas deviné la véritable identité de Camira. Mais les événements s'enchaînent depuis notre rencontre. Zamarak était plus facile à cerner, lui. J'ai reconnu le port de la griffe du roi au premier coup d'œil. Vous avez trouvé une entrée? C'est à qui? Je crois que ça a retourné, c'est à toi, Crane. D'accord. Ouais, possible. Le vieux châtelain a suggéré d'entrer par les cryptes, et il m'a remis ce passe-partout. Les cryptes? Oh, joie! Une virée dans les égouts. À notre dernière visite, j'ai gardé l'odeur des excréments pendant... Bon. Faut se laver. Mais avant cela, j'ai une autre tâche à vous confier. De quoi avez-vous besoin? Les armes de siège braquées sur la ville. Nous devons les désarmer avant que Raxia ne comprenne qu'elle est attaquée. Elle détruirait Rimmen par pure vengeance. Retrouvez Nalado et détruisez deux de ses installations. Camira se charge de la troisième.
Vous pensez que Zamarak était la griffe du roi ? Je réfléchis tout haut, c'est tout. Ça remonte à l'époque où j'étudiais les archives de la Tour d'Or Blanc. Zamarak était autrefois un protecteur loyal. Vu son port et l'attention qu'il prête à Camira, il devait faire partie des griffes du roi. C'est évident. Si vous le dites, je vais aider le capitaine Nalado à détruire les armes de siège. Le capitaine Nalado vous attend près des engins de siège. Aidez-la à les détruire. Une fois que les armes seront incendiées, nous partirons à votre rencontre à l'entrée des égouts. Cela n'alertera pas Euraxia de notre présence ? Si, j'y compte bien. Lorsque Nalado et vous aurez détruit les deux premières plateformes, une fois que Camira aura mis la troisième hors d'état de nuire, Euraxia ordonnera à ses troupes de se déverser dans les rues pour défendre la ville. Donc, nous croiserons moins de soldats dans le palais. La populace risque pas de se faire mettre des coups de CRS dans le genou ? Il n'y a pas la question. Bon. Non mais je comprends que ce ne soit pas une inquiétude qui vous étouffe, mais allons-y. Non, mais nous aussi, mais le jeu. Moi non plus, c'est juste pour être sûr que tout soit dit, si tu veux. Qu'allez-vous faire pendant que Nalado, Camira et moi, et nous, éliminerons les armes de siège ? Zamarak, Cadwell et moi allons traverser les égouts et éliminer les Euraxiens qui sont postés là. Ils ne doivent pas donner l'alarme. Ils alerteraient ma demi-sœur de nos véritables intentions. Vous insinuez que je n'en fais pas assez ? Pourquoi c'était de l'intimidation ? Ah oui, parce que... D'accord. Parce que... Oui, il... j'avais pas lu la fin. Parce qu'il a pas fait du sport, et donc on va lui faire comprendre qu'il faut qu'il lifte. Vous voulez quoi alors ? La une ou la deux ? On l'intimide, si désastre à l'option. C'est bon, désastre ? Oui, j'allais. Ah, Dieu merci. Pas du tout, vous en avez déjà fait assez en libérant les dragons. Bam. Oh, quel pic ! Vous comptiez me faire de la peine ? Amateur. Et avez-vous déjà oublié le rôle que vous avez vous-même joué dans les salles du Colosse ? Vous avez les mains aussi sales que les miennes. Mais nous allons corriger tout cela. Ensemble. Alors, en route, voulez-vous ? Où pouvons-nous trouver le capitaine Nalado ? Le bon capitaine nous attend près du palais. Elle est partie en avant pour reconnaître la zone et déterminer quelle opposition nous attendra sur les plateformes de siège. J'apprécie ce niveau de préparation, d'autant plus qu'elle est très rare chez les Khajiits. Nous sommes donc le groupe d'assaut. Que font Garechri et le reste de la milice ? Il faut que quelqu'un reste en arrière pour organiser la milice. L'orateur de la Grande Crinière est le mieux placé pour cela. Et puis, si nous échouons, ce qui ne sera pas le cas... Il faudra que quelqu'un réagisse lorsque Euraxia fera pleuvoir la mort et la destruction sur la ville. Vous dites que Zamarak a pu faire partie des griffes du roi. Quoi s'agit-il ? Les griffes du roi étaient un groupe d'agents d'élite loyaux au roi Emakar de Rimen. Ils protégeaient le roi et la famille royale, accomplissaient des missions spéciales, tout cela discrètement. Ce n'est qu'une idée, mais si j'ai raison... Cela expliquerait de nombreuses choses sur Zamarak. Putain, ça devait être surstylé ! Le roi Emarak, ça devait être un chat noir comme sa fille. Tu sais, avec le bout du museau blanc et avec une méga crinière. Il devait être trop viril ! Non ? Enfin, Je sais pas. Mais à un moment, voilà ! Chats marrons font pas des chats noirs, si tu veux ! Y a... Je vais vous demander un petit instant, parce que j'ai la porte de chez moi qui est grande ouverte. Il faut que j'aille la fermer. D'accord, bah, tout va bien. Je t'en prie. Non, génétiquement, ça fait du sens. Imagine Black Sad avec la crinière de Mufasa. Je suis le seul avec mes références. Oui. Enfin non, je vois très bien Black Sad, mais... Non, mais après, les chats marrons peuvent faire des chats noirs. Ça dépend, c'est la génétique. Hein. Ouais, mais moi, je préfère m'imaginer une panthère roi avec une crinière de lion, si tu veux. C'est vrai que c'est stylé. Voilà, une pan-lion ou une lion-terre, mais c'est stylé. Une lion-terre. La même crinière que moi. Mmh. Ouais, mais plus masculin. Bah, merci. Plus viril. Plus homme. Moins toi. D'ailleurs, cette tenue met tellement mon boule en valeur. Une boule de cagite. Une boule de poil. Une boule de poil. C'est ça. Me revoilà, c'est tout. Il est revenu. C'était histoire de s'assurer que personne n'entre chez moi pendant que je fais mes rires. Ça pouvait être bien. C'est ça. Vas-y, je t'en prie.
Tu m'en prie de quoi? Bah du coup, au revoir, hein, parce qu'on a... Ouais, non. Parce qu'on a déjà fait les armes de siège, non? On ne sait pas. Bon, mais on... oui, j'ai dit au revoir, oui, c'était la même, c'est le même dialogue. C'est exactement le même. Bah, au revoir, alors. Impeccable. Très bien, où allons-nous, du coup? Il faut qu'on crame des choses. Parle. Ouais, il faut cramer, il faut parler au capitaine, là-bas. Faut rentrer dans la ville, du coup. Très bien. Le chat, on me dit trop tard, on est actuellement 4 cachés dans ta cuisine. Je stream dans la même pièce que ma cuisine, donc vous êtes super cachés. Là, pour le coup, c'est qu'ils sont très, très discrets. Ouais. Waouh, regardez cette danseuse, Zarida. De nombreux Khajiits qui m'ont prise en amitié m'appellent mon délice. Ah oui. Je ne sais pas bien ce c'est que ça veut dire, costume. Mais il paraît que c'est un compliment. Ouais, j'avoue. Alors moi, j'ai des textures de PS2, hein, malheureusement, dessus, donc... Quand tu t'approches ta caméra, logique. Bon, bah voilà. C'est pas moi. C'était pas moi. C'est un elfe noir. Je le savais. Oh, il est sur un goir, en plus, ce N-1. Oh, le N-moi, quoi. On retient son nom. C'est qu'il y a moyen de faire du PVP de proximité. Je sais pas que j'en ai pas eu l'envie, mais c'est pas moi. Du coup, c'est dommage, on n'a pas pu admirer le beau costume. C'était une rouge garde, tout va bien. C'est pas une grande paire. Non, les gens qui se demandent pourquoi j'avais la porte de chez moi grande ouverte, c'est parce que Maudie déménageait ses affaires et elle devait encore faire un voyage et finalement... Ah. Mais c'est pour moi c'est pas grand chose, c'est comme les boss mères, il y en a plein si tu veux. Alors, du coup à gauche... Ouais. Dans ce grand temple avec un gros chat très vénère sur un chat plus petit, enfin... Un chat qui monte un chat. Ouais, c'est ça. Et l'accouplement classique. Elle est juste devant, ouais. Nalado. Ok. Nalado, oui, tout à fait. Avec son chignon. Le chignon de dread de chaton, quoi. Fais un chignon comme ça à un chat, tu vois, comme il réagit. Fais des dreads déjà. On lui parle. 3, 2, 1, go. Le chat jamaïcain. 5 griffes, bien, bien. Jamaïcain. Nous avons du travail. Vous êtes prêts à désactiver les armes de siège et causer un peu d'agitation? Nous sommes prêts. Quel est le plan? La garde à porte de la plateforme d'armes sud semble s'ennuyer. Je compte la divertir. Quand elle quittera son poste, glissez-vous par la porte et incendiez la plateforme. Faites vite, Saint Griffe. Tu comptes la divertir en lui broutant le minou? Je suis désolé, j'étais obligé de faire celle-là. Ah, excuse-moi. Désolé, c'est gratuit. Il n'y a qu'un seul soldat pour garder la plateforme sud, n'est-ce pas? À la porte, oui. J'ai observé d'autres soldats sur la plateforme, mais peu. L'usurpatrice se sent en sécurité, Arimen. Nous allons y remédier. Lorsque je me serai occupé du soldat, je passerai à la plateforme nord. Retrouvez-moi sur place. Très bien. Nous allons incendier toutes les armes de la plateforme sud. Regardez-moi devenir une élégante soldate euraxienne. Oh, mais comment font-ils pas mal. Voir avec ses machins. Mais son casque couvre... Son casque couvre pas son museau, qu'est-ce qui se passe? Garecherie, au marché. Faites vite. J'avoue. Le jeu est pas cohérent. Putain, le jeu est pas cohérent. C'était bien trouvé, mais du coup, ouais... Un effort méritoire, mais futile. Par contre, j'avoue qu'elle s'est déguisée en Incredibilis, hein. Elle va voir le garde du marché, elle lui fait « Incredibilis !» Puis tu sais, un putain du percute. À moi, à moi. À toi, vas-y. Laisse-moi un. Oh, les gifles. Brûlez tout. Brûlez les armes de siège. Ouais. Il n'y avait que 3. Et bah c'était rapide. Non, bah, ouais, apparemment il y avait de la résine dessus, ouais. Il y a l'autre. Ouais, non, ça brûle bien. Hein, c'était fait en cagette. Putain, les armes de siège qui se sont fait avunculer. Et en cagette quoi. Avunculer, ils ont rien compris. Je m'occupe du soldat. Oh, j'ai hâte de retirer cette. Ils ont pris la voix des factotums. J'avoue.
Attends, elle s'occupe du soldat. Sa voix avec de l'écho. Mais sans, c'est, sans... c'est fantastique. C'est tellement ridicule. Bruti de chat. Merci Broly the BBF. Merci. C'est excellent. Des bisous. Attendez, mieux vaut que je prévienne mon lieutenant. Ah bah bravo. Elle l'a assassiné, vous avez pas vu. Ouais, si, si, mais on s'en fout. Ah, chacun le sien. Attends, moi j'en ai pas eu. Dispersez-vous. Ah, laisse-moi un, laisse-moi un. J'en veux un, moi j'ai mon rien. T'en as déjà eu un de l'autre côté. Non, mais je suis non, sûr. C'est Elise qui a tout pris. Ah, elle avoue, regarde, bon, elle prend bien. Tout. Elle prend tout. C'est bon, t'en as qu'un, la Bob. Tiens, vas-y, je te laisse celle-là. Putain, je peux pas, le, je peux pas la brûler, celle-ci. Ah, je la laisse à Cray. Ah bah. Vas-y, Cray. Mais non, j'en ai déjà brûlé une. Ah bah, à moi, à moi. Donc vas-y. Ouais. Putain, pourquoi le mien il brûle mal? Non, c'est bon. Ouais, j'allais dire, ça brûle pas. Oui, t'es pas très doué, hein. C'est bon, c'est bon. C'était une question de temps. Il faut pas t'inviter à un barbare pas très efficient. C'était, ouais, c'était ma technique secrète. Un incendie à retardement. Elle a réussi. Allons rejoindre les autres à l'entrée des égouts. Allons à l'entrée des égouts. Ah non, c'est vrai qu'il faut pas te suivre. Bah si, vous me suivez. Pourquoi j'ai descendu du... J'ai descendu. Quoi, ouais, si c'est par là, si c'est bon. Je suis descendu. J'ai trouvé la route. Oui. Voici les autres. Mais j'ai coupé ma phrase en plein milieu. Il faut sauter. Ouais, il faut sauter, ouais. Ça a l'air haut. Nous sommes trop nombreux. Nous devons nous séparer. Bon, mon chameau a passé un petit cri, mais il a l'air de bien aller. Je vais aller avec Tarn. Le capitaine Nalado peut diriger les autres. Reine depuis à peine un jour et elle donne déjà des ordres. Ah. Nala 1, Nala 2, Nala 3. Crane. Oui. Ouais, non, mais il faut. Non, mais c'est bon. Il faut les dialogues. Très bien, c'était pour attendre que les dialogues. Dialogue. Oui, bah oui. Non, il y a pas de dialogue. Si. Bah, il y a eu un dialogue avec Abnerton et Camera. Moi, ça c'est terminé. On peut parler à Zamarak. Oui, c'est bon, c'est bon. Tu veux parler à. Ouais, tout le monde, sauf elle. 3, 2, 1, go. Que la reine Camira parte avec Abner Tarn comme seule protection, ça ne me plaît pas. Moi non plus, Eric le Grand. J'avoue. C'est oh, il y a Cadwell. Cadwell qui est comme, comment ça s'appelle, le perso dans Cusco. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a, qui est comme Krank. Krank qui est en mode furtif. Krank a... Ouais, Krank. Qui est là. Ah bah... Trop furtif. La salade de pommes de terre. J'ai vu une fois Cusco, il m'a pas marqué. Oh, il est fantastique. Oh, il est excellent. Maintenant que t'es adulte, regarde-le, tu vois, c'est fantastique. Ouais, c'est peut-être ça. Sans déconner, c'est comme Mais c'était aussi une période de transition chez Disney, d'accord, je trouve. Oui, tout à fait, mais honnêtement, c'est comme Megamind ou comme Shrek 3, tu n'y prends que plus de plaisir plus t'es vieux, c'est plus pour enfants en fait. C'est un paradoxe. Je trouve que le bossu de Notre-Dame est comme ça aussi. Oui, beaucoup. C'est un gros paradoxe, hein. Enfin bon, c'est pas grave, on dérive là. Cadwell. Allez, 3, 2, 1, go. C'est lui qui nous influence. Pourquoi on reste tous dehors à découvert? Ce n'est pas la bonne façon de prendre une personne par surprise. Croyez-moi, j'ai essayé. Oh, mais il est bien. Abner Tarn. Abner Tarn. Ouais. 3, 2, 1, go. Elle me donne des ordres comme si j'étais l'un de ses sujets. Vous imaginez? Mais nous devons nous séparer. Je sens des sorts défensifs en place qui seront déclenchés si un groupe de cette taille se déplace sous le palais. C'est toi, Bob, t'as pas fait grand-chose. Très bien. Moi, il y a un bug, je peux pas lui parler. Ah bon, bah, quel sort de sort allons-nous déclencher? Certainement des alarmes. Peut-être des collets pour nous ralentir, si ma demi-sœur se sent généreuse. Mais plus certainement des runes explosives. C'est salissant, mais efficace pour repousser les importuns. Pourquoi ne pas tous nous téléporter dans le palais? Mais vous avez encore beaucoup de questions stupides de ce genre. Ah. Euraxia possède une magie puissante. Le palais est protégé contre ce genre d'intrusion. Il faudra que je me trouve dans l'enceinte de ses protections avant d'ouvrir un portail. Et même alors, la téléportation sera dangereuse. Pourquoi donc prendre ce risque alors? Nos chances de réussite augmentent de manière exponentielle si nous nous séparons en deux groupes. Forcément. Traversez la crypte pour atteindre le palais. Nous nous retrouverons sur place. Mais soyez sur vos gardes. Quand Euraxia aura conscience de notre arrivée, nous serons tous nécessaires pour la tuer. Bon. Très bien. Camira? Alors, moi, c'est très drôle parce que du coup, sur Abner Tarn, je peux pas cliquer sur Abner Tarn, mais je peux cliquer de loin sur Cadwell. Et du coup, je vois Cadwell de loin
en flouté dans le fond, en train de bouger, c'est très étrange. Enfin, son live. Tu vis des choses fantastiques. Ah oui, pareil, en cliquant de loin, je vois que son bras. C'est... Pourquoi on reste tous dehors ? Mais donc voilà, j'ai pas eu du tout le. Je peux pas parler à Abner. Ah, c'est stylé. C'est d'accord. Et tu peux parler à Camira ? Camira, elle est où ? Juste derrière là, Abner. Là, devant. Eh ben non. Parce que j'ai pas Camira. Eh ben, déco-reco. Ouais, ou reloduit. Tu as le truc de quête ? Oui, là, oui, j'ai Nalado. Bah, c'est bizarre que t'as pas eu la. En fait, t'as pas eu la conversation, donc je pense que c'est ça qui a bugué. Ah, peut-être. Tu veux des Coroco ou pas ? Je vais reloduit. Allez-y, parler à la caméra. Okay. Ouais, ok, on fait ça. Allons-y. 3, 2. Attends, il est là des as ? Oui. 3, 2, 1. Ah oui, t'es en face. J'ai cru que c'était un Khajiit. Abner Tarr n'est convaincu. Ça marche. C'est un Khajiit. Même ce petit groupe est déjà trop grand. On nous remarque comme un alphique rasé. Je vais me téléporter dans le palais avec Tarn, pendant que les autres et vous entrerez par les cryptes avec la clé d'Aneshi. Vas-y, finis, Bob. Mais Euraxia n'aura pas donné l'alarme dans le palais ? Si, sans doute. Mais elle n'a aucune raison de penser qu'un petit groupe d'assaut pourrait tenter de percer les défenses du palais. Après la destruction des plateformes d'armes de siège, elle devrait envoyer ses soldats dans les rues pour repousser la milice. Très présomptueux. Vous n'avez aucun moyen de savoir si elle va vraiment réagir ainsi. Bien sûr. Mais par John et Jod, ce plan va fonctionner. Il le faut. Je jetterai le cadavre de Raxia depuis le haut des remparts, et je récupérerai le trône de ma famille. Je le jure, au nom de mon père. Ensuite, nous nous occuperons des nécromanciens et des dragons. Bon, je suis heureux de voir que vous courez avec le désespoir, mais toujours enthousiaste, d'un poulet décapité. Mais bon, c'est pas... Et en effet, Camira m'avait pas suivi, et du coup, ça avait pas... elle était pas apparue et ça avait pas marché. D'accord. Voilà, ça marche D'accord. Mal. C'est pas... Bien. Du coup, parlons à Naladu. 3, 2, 1, go. Une reine ne doit pas s'élancer au-devant du danger. C'est inconvenant. Je devrais être avec elle pour la protéger. Enfin, je suivrai les ordres. Nous devons traverser les cryptes et entrer dans le palais avant qu'elle n'ait pu s'attirer trop d'ennuis, oui ? Tu sais ce qui est vraiment inconvenant, c'est de l'orange sur un Khajiit, pour être sincère. Enfin bon. Ça dépend, sur une peau blanche, ça peut marcher. Mais... Khajiit, ça va pas. Si, ça va. Elise, du coup ? Pardon. Elle a une bonne idée de séparer notre groupe ? Camira est devenue reine, et nous devons lui obéir. Que nous soyons ensemble ou pas, le danger nous guette. Mais nous aurons de meilleures chances d'atteindre l'usurpatrice si nous approchons de plusieurs directions à la fois. Camira peut se débrouiller toute seule, surtout avec Abner Tarn à ses côtés. Oui, et s'il arrive malheur à notre nouvelle reine, je retirerai moi-même sa tête à Tarn. Trop tard. Perdons trop de temps, Saint-Griff. Êtes-vous prêt à entrer dans les égouts pour accéder aux cryptes ? Allons chercher la porte de la crypte. Je pars en reconnaissance. Est-ce que vous pouvez faire un petit test, s'il vous plaît, et parler, me dire si vous vous entendez dans mon micro ? Très bien. Moi, je m'entends ? Non. Bla 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 bla. Pardon. Allô ? Non, moi, je m'entends pas. Non, bon, pas bah, j'ai l'impression que je suis pas obligé d'être au casque pour être avec vous, qui est fabuleux. Non, mais t'es divin, ouais, c'est pour ça. Et vous savez ce qui serait vraiment drama ? C'est on y va, ça foire lamentablement, Camira se fait tuer... du coup, on arrive à buter Euraxia quand même en désespoir. Naladu se rebelle et on doit choisir un camp. Et à la fin, on se met dans le camp d'Abner Tarn et on reconquiert tout elsewhere. Et tout le monde meurt, sauf Abner Tarn et nous. C'est pas très bien. Bah, on est mercenaires. Tu dis Naladu, j'entends Maître Windu. On est mercenaires ou on n'est pas mercenaires, hein ? Et puis toi, t'étais là, oui, la culture de ce village de lézards, d'argoniens, c'est pas bien, ils envoient leurs jeunes passer des épreuves trop dures, il faut absolument qu'on réforme tout ça et qu'on colonise, gna gna gna, et maintenant tu veux plus. Je déconne. Ah, et sur le chat, il y avait de l'écho, vous pouvez reparler, et sur le chat, me dire si vous avez toujours de l'écho, s'il n'y a plus d'écho. Putain, quand mes insultes lui servent de test son. Écho. Blablabla. Il n'y a plus d'écho, donc non, je suis obligé de jouer au casque. Quand je suis avec vous. Navré. Ok. Ça a l'air d'être un bon plan, que pourrait-il mal se passer ? Bah, pour nous, rien. Pour eux...
Ah, mais ce serait divin. On me dit, il y a juste de l'écho chez des astres, mais comme d'habitude. Ouais, ça, c'est... c'est... Je suis un écho ambulant. Oula, la luminosité est étrange. Wow, effectivement, ouais, c'est très clair. C'est bien éclairé. C'est l'extérieur. Hein. Soyez sur vos gardes et sortez les griffes. Sortez les griffes. Voici la porte des cryptes. Voyons si ce passe-partout fonctionne encore. Ching. Je vais surveiller nos arrières. Allez-y, partez devant et trouvez l'entrée du palais. Bah, okay. On attend nos potes ou... Ah, vous êtes en chargement. On est que deux, ouais. Ouais, on est que deux, mon cher Crane. C'est parce que j'ai avancé trop vite. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Hein. Ah. Les astres rament du cul et moi j'avance trop vite. Ok. Ah, mais allons-y. Toi, tu es FFA. De quoi ? De quoi ? FFA ? Dans ces cryptes. C'est une FFA, c'est free for, c'est, on utilise, ça veut dire free for. Ah d'accord, pardon. Joue solo, comme si elle était pas en groupe quoi. Ouais, comme Fred. Voilà. Arrêtez de ça. Quand tu pars tout seul devant comme ça, c'est ce qu'on dit. Ah, quand tu galopes comme un Galapagos, c'est sûr que là, on peut rien faire. Après, tout le monde est déjà mort, si tu veux. Ouais. Après, nous sommes dans des cryptes Khajiit, du palais royal Khajiit, mais les cadavres qu'on trouve et les zombies qu'on trouve sont quand même humanoïdes. Moi, ça me surprend. Oh, non, là, il y a un cadavre Khajiit. Ouais, là, le squelette est définitivement Khajiit, donc non, Cher Andy, c'est bien foutu. D'ailleurs, j'ai pu lui mettre 3 miches avant qu'il réagisse. Hein. Ils ont un temps de réaction qui est parfait. C'est arrêtez. Ah ouais. Non, mais ça suffit. C'est les squelettes, puis bon, ils s'étaient pas... Ça fait des années qu'ils attendent, quoi. C'est ça. Pas au top de leur... Ils sont pas très alertes. Leur réactivité. C'est ça. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. Un zombie. Apparemment, c'est pas par là. On s'en fout, il y a des morts. Oui, voilà. On est en frénésie de on tue des trucs. Un sench squelette. Le loup-garou. Donc, demi-tour. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, demi-tour. Suis la piste des cadavres. C'est encore la méthode la plus effective pour trouver des ennemis. Ok, c'est en face, c'est là. Examiner la crypte royale. Dans le chat, on dit oui, mais est-ce que Elige tuerait la petite fille ? Oui. Attendez. C'est la crypte royale. Mais accidentellement, sans même rage. Elle s'est piquée sur ma dague. Est-ce que tu connaîtrais que tu l'as tuée ? Ou est-ce que tu chercherais à inventer des excuses bidons ? Bah, je viens de dire, elle s'est piquée sur ma dague. C'est pas bidon, hein, c'est arrivé dans La Belle au Bois Dormant. De quoi? Bah, de se piquer. Piquer, oui. Non. Mais ce qui était bidon, c'était les excuses de Fred. Pourquoi le tombeau de Roi Emakar est vide? On clique dessus? Oui. Emakar, porteur de paix, père bien-aimé, roi honoré d'Anequina. Il rôde à présent dans les sables derrière les étoiles jusqu'à son prochain bond. Bond, c'est son prochain film. C'est confortable. Et du coup, faut passer à la Zamarak. Faut parler à Zamarak. Samarak. 3, 2, 1, go. Ils ont emporté son cadavre. Ils ont profané le tombeau du roi. Et on dirait que celui de la reine et de la fratrie de Khamira ont suivi le même chemin. Vas-y, c'est désastre. Ah, Elise, t'as déjà fait ? Ok. Non, c'est Elise. Pourquoi Araxia a-t-elle déterré la famille royale ? Aucune idée. La crypte royale a été fabriquée quand le roi Emakar est monté sur le trône et a épousé la reine Numara. Pourquoi inhumer leurs cadavres, puis les décaver 6 ans plus tard ? Ça pourrait être l'œuvre de Zumokfu, mais de ses mécromanciens. Lune noire ! J'espère que non ! Rien que d'y penser, ça me hérisse le poil. Nous devons vite rejoindre Khamira, rejoindre la reine. Ouais. Nous devons trouver l'entrée du palais, et vite. Araxia a tué notre roi et notre reine, et elle a profané leur tombe. C'est un monstre. Moi je lis le livre. Hein. D'accord. Ah. Il y a encore quelques dialogues. Oh, moi j'aime bien quand il y a des dialogues. L'alphique colérique, florilège,
Oh, ça a l'air d'être une super histoire. Bon, elle fait 6 pages, mais... Non, elle fait 6 pages. Ah, mais quel dommage. Ou alors c'est des astres qui lit. En chantant. Ah, moi, je dis... J'ai un double appel. 100%. 100%, c'est garanti. Hein. 1 million de vues. Hein. Hey, t'as un concept, je lis les livres Elder Scrolls en chantant. En chantant et en faisant des fautes en lisant. Tellement adorable. Du coup, allons-y. On avance. Ouais. Je crois qu'elle lisait déjà pas. Non. Je viens de cliquer quasiment. D'accord. Un peu avant que t'aies dit ça. Oui, on t'a vu. Ah, juste avant qu'il ait dit ça. Oui, oui. Fraction de seconde. Ah oui, oui, mais c'était la fraction de seconde de trop. Tu sais qu'au 100 mètres haies, on te siffle et puis deux fois et boum, c'est disqualification. C'est ça. Attends, tout le monde a chargé? Non, on n'a pas chargé. Ça charge, j'arrive. Regarde, je suis derrière. Je vais me retourner dans la salle. Ah, voilà. Allez à la chapelle des lunes directrices. Oui, des coffres à bijoux sur l'étagère. Prends. On peut les looter. Évidemment. Un glyphe. Ah bah moi j'ai un collier, c'est RP. Attends. De quoi ? Non mais putain, là, furtif ! Super bien caché. Furtif ! Bah du coup, là, il nous voit plus. Oui, c'est vrai. Ça marche, hein. C'est vrai, imagine le gars, il se fait surnommer l'invisible. Parce qu'il crève les yeux de tous les ennemis qu'il croise. Mais tu sais, j'ai toute une série comme ça qui s'appelle le ninja nudiste. Hein. La reine Rachel refuse d'être dérangée. Bah, c'est le principe. C'est le principe, en fait. C'est un ninja, il est vraiment nudiste, mais il laisse jamais le moindre survivant. Mais du coup, il y a des légendes qui parlent du ninja nudiste, et donc la dernière chose que les mecs voient avant de mourir, c'est un mec à poil qui est là, psouille. Puis tu sais qu'il les coupe en deux, si tu veux. Donc tu sais, en plus, les gardes, ça les fait flipper. Imagine, tu fais ta ronde, et que t'entends dans un petit buisson derrière toi, tu te retournes, et tu sais que non seulement il y a un mec qui bute tout le monde, mais en plus, il est à poil. Voilà, tu vois, ça te met un... Tu sais, ça rajoute, je sais pas pourquoi, mais ça rajoute une pression. Il y a une pression qui augmente. C'est pour ça. Et son maître ninja ne peut rien lui dire parce qu'il est tellement efficace et toutes les missions sont tellement mais succès à 100% que tu il laisse passer quoi. Non, tu c'est pas qu'il laisse passer, tu peux rien dire de toute façon. C'est bon. Mais il avait même pas un caleçon. Ah, il avait un fundoshi. Donc tu sais, c'est des espèces de pagnes japonais qui sont cul-nus. Boule moulante et sans la petite toche devant, si tu veux. Donc c'est vraiment le slip-slipass. Voilà quoi. Tu te mets de côté, tu vois les lire des bouquins. Oui, bien sûr. Fromage de Tamriel, non. Piste et marée. Oh, c'est intéressant, c'est de la religion. Est-ce qu'on peut le lire celui-là? J'en étais sûr. J'ai vu le bouquin, j'ai même pas lu le titre, j'ai vu la taille, j'ai vu qu'il faisait 2 pages. Je me suis dit, Bob, il va vouloir qu'on le... Bah, je... Coutumes et croyances, tu veux le lire? Non, pas spécialement, si quelqu'un veut le lire, ça me va. N'importe quoi. Comme vous voulez. Vous voulez un paragraphe chacun? Allez, vas-y. C'est qui? T'as dit vas-y. Je suis trop loin. Attends, vas-y, mais c'est des as qui commencent avec la toute première ligne, c'est techniquement un paragraphe. Attends, j'étais parti, c'était RP maintenant. Ouais, reviens. Ok. Voilà, ça va, t'as le titre et la première ligne. Piste et marée. Par l'évêque lunaire, Unal. Garde le même ordre. Ouais, vas-y. Tous les chats voient les lunes, sentent la caresse de leur douce lumière qui fait briller leur fou. Tous les chats sentent l'appel des marées, le rythme de la danse des deux lunes qu'on ne peut ignorer. Mais tous les chats n'entendent pas les mots que Jaune et Jode murmurent en rôdant dans les landes célestes, entre la douce Nirni et l'obscurité derrière le monde, pour la protéger du vide hurlant. Et voilà pourquoi l'évêque lunaire guide les chatons, traînant la ficelle des secrets en trottant devant eux pour leur enseigner les mouvements et les marées. Un véritable chat traque sans relâche la bonne piste, essayant l'un après l'autre les sentiers infinis que Jaune et Jode dansent dans le ciel, alors que les pattes lui cuisent et que sa gorge réclame du...
Ils ont parcouru plus de pistes qu'il n'est de grains de sucre dans le monde entier. Et l'on comprend pourquoi un chat pourrait s'ennuyer et renoncer à la chasse. Et voilà pourquoi l'évêque lunaire inspire les chatons, partage ses histoires de temps anciens et les ramène à la chasse. Tous les chats se languissent du sable derrière les étoiles, où les dunes sont de sucre. Tous les chats rêvent du cœur sélénien, le son joyeux que connaissent les vrais chats. Mais tous les chats ne connaîtront pas la tendre étreinte de Kenarty à la fin de leur vie, comme toutes les âmes n'iront pas savourer la chaleur sans fin. Voilà pourquoi l'évêque lunaire doit tancer les chats dissipés, frapper ceux qui restent sur le flanc, pour les ramener au chemin tressé par les lunes. Un vrai chat peut rater un pas, se perdre dans la forêt profonde, et trouver les tentations d'une danse plus sombre, née par le cœur craintif. La peur peut enserrer l'âme, troubler l'esprit et confondre les sens. Voilà pourquoi l'évêque lunaire doit être le chat le plus brillant, pour chasser la brume infâme, pas la fosse de ses paroles. C'est beau. Et tu vois, les lunes, les marées, tout ça ou autre, c'est leur religion à eux, c'est l'équivalent de comment être un bon pasteur en Khajiit. Et bien sûr, Kenarty, c'est bien sûr Kinares, tu sais, l'une des huit divines, enfin des huit divins, comme Stendhal, Akatosh, tout ça. Ouais, déesse des vents, elle, Kenarty. D'ailleurs, ils pensent que c'est elle qui gère les âmes, en fait, et que les chatons qui tombent de l'étreinte de Kenarty tombent justement dans les sables de Namira, les trucs obscurs, tu sais, démoniaques et tout ça. Alors que Kenarty, elle, avec son vent, souffle les âmes des Khajiit jusqu'au sable derrière les étoiles. Et t'as vu, le sable derrière les étoiles, il fait toujours chaud, il fait toujours beau, et les sables sont faits en sucre-lune, mon gars. T'es littéralement du ski sur des montagnes de cocaïne. Ça déconne zéro, hein. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est fumé. Et du coup, voilà. Et donc, j'imagine, parce que comme dans Skyrim, tu visites Sovngarde, comme Sovngarde est un véritable lieu... En vérité, c'est pas un véritable lieu. En vérité, c'est juste une conceptualisation que les âmes mortes, confluées au même endroit, ont créée dans l'espèce de vide éternel et magique qu'est l'Aetherium. C'est littéralement comme la salle dans Harry Potter de ce que tu souhaites. C'est la fameuse salle où tu penses à un truc, puis tu rentres et ça fait ce que t'as pensé. Mais c'est comme t'envoies 10 000 mecs qui croient à la même chose au même endroit, et du coup, bah, ça donne un banquet génial avec des Valkyries et un combat éternel comme les Nordiques veulent, comme Sovngarde, c'est pour ça. Donc les Khajiit doivent avoir fait la même chose. Et donc ils doivent vraiment avoir des montagnes de sucre-lune en Aetherium, en fait. Ça doit être fumé. C'est une salle dans Harry Potter, pas le miroir? Non, c'est le miroir, c'est celui qui te donne ce que ton cœur voudrait ou une connerie comme ça. Moi, je parle de la salle, tu sais, pas la salle de l'esprit du temps, mais la salle qu'ils utilisent pour s'entraîner. La salle où quand tu veux quelque chose, tu passes trois fois devant, tu dis la je salle voudrais... sur commande. Merci, voilà, je veux pisser et tu sais, ça devient une chiotte ou je veux étudier les arts les plus noirs et ça devient un truc horrible. Merde, je suis grillé, je lis les fanfics. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est cool que t'aies les noms français, c'est dans le film aussi, donc on s'en fout. Mais du coup, voilà. On continue ? Ouais, allons-y. Amenti. Mais moi, ça me fascine. Hein. Je serais tellement hypé de visiter les plans d'Aetherium. Des gens qui demandent si c'est la salle sur commande ou la salle sur demande. Nécromancien, Sumog Fum, nous sommes enfermés. La reine Raxia sera ravie d'accueillir des invités. Oh merde ! Mais d'autres chats. Non, j'adore fouetter et griller ces vils créatures. Excusez-nous, un autre membre de votre groupe requiert notre attention. J'hésite un peu. Oui. Je veux voir vos cadavres tailler ces vasards en pièces, mais j'aimerais aussi éliminer mon double inférieur. Oh, que faire? Que faire? Faire ses toilettes. Ils vont ressusciter des zombards. Oui, les zombards. Vite, les statues ont pris vie. Laissez-moi m'occuper de la porte. Je vais fabriquer une sortie. D'autres morts-vivants. Comment ça, tu vas fabriquer une sortie? Tu te souviens du moment où t'as pété un mur avec un coup de Jacques Chirac et que t'es sorti en mode « Salut, chérie !» Voilà. Est-ce que tu peux refaire la même? Ou est-ce que parce que c'est le palais... Est-ce que c'est le palais impérial, tu te sens frileux, chaton? Allez-y, voilà. Je protège vos arrières. Oh, c'est pas mal, déjà, ça. Ah bah voilà, regardez, il a pété la vitre. Ouais, qui peut faire ça? Enfin, pas la vitre, mais le vitre. Ouais, le grillage. Ça, c'est joli. Oh, hey. Oh, il y a même une peinture ouf. Allez à gauche, et j'irai à droite. Et nous nous rejoindrons aux appartements royaux. Oh. Toutes les mêmes, les peintures. Et souvenez-vous, et souvenez-vous qu'il est interdit de pénétrer dans l'aile ouest. Non, pardon.
Oh là là, c'est stylé. Waouh, waouh, waouh. Ah, quelqu'un qui crie. Me détruire. Non. T'es rentré déjà ? Qu'il a tué. Une erreur de la oui. Nous allons transférer l'animus du double en vous, tête. Mais nous n'avons oh là là. Plus rien à faire. C'est Cadwell. La reine Euraxia. Venez. Pitié. Pas comme ça. Essayez de briser ces verroteries. Eh bien, ça n'a pas été agréable. Avancez, je vous rejoins ça bientôt. Ça pourrait être trop compliqué. Ah, vous voyez, ils n'ont pas parlé d'âme, ils ont parlé d'animus, une des trois parties des âmes que j'expliquais en début avec les dragons et tout ça. C'est valable pour tout le monde, au fait, hein, l'animus. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que le mantèlement fonctionne. L'animus. On le parle à Cadwell ? Bien sûr. C'est pas... Non, l'animus... C'est une série, ça ? Non, non, non. L'animus, c'est juste un tiers de l'âme. C'est celle que tu peux manipuler ou vendre ou... Je sais, c'est par rapport à Assassin's Creed. Ah, oui, mais ça fait longtemps que le scénar est lâché. Bref, voilà. Oui, mais quelque part, il y a un rapport à l'âme. Ils ont foiré la France. Voilà. Ah, ils ont foiré le seigneur de la France, ils avaient tout pas à faire. C'est inacceptable. 3, 2, 1, go. Vous vous rendez compte ? Quelle audace ! Essayez d'absorber mon essence ! Non mais, sérieusement. C'est vraiment la dernière personne. Bah, attends, peut-être Elise peut refaire. C'était Elise. Moi, vas-y, Elise. Que vous faisait-il, Cadwell ? Je ne connais pas les détails. Vous seriez étonné de savoir comme les arts nécromantiques continuent de m'échapper, même après tout ce temps en havre-glace. Mais je crois que cette tête immonde voulait. Moi, en fait. Zubokfu m'a dit qu'ils abandonnaient Euraxia. Vous savez ce que cela signifie ? D'après ce que j'ai compris, c'est une monarque insupportable. Vous saviez que c'est la sœur d'Abner ? Oh, ces histoires de famille. Le nécromancien m'a dit que la tête avait proposé de s'allier à un maître plus puissant. Mais je sais pas qui. Ah. Tout ira bien. Il s'inquiète de sa santé sans en demander plus avant ? Tout ira bien ? Je me sens un peu à plat, à vrai dire. Je ne vaudrais pas plus qu'une cuillère ébréchée dans un combat pour le moment. J'ai besoin de faire une sieste, voire deux. Partez devant. Les appartements royaux sont tout en haut de l'escalier. Je vous rejoins dès que possible. Au revoir. Il va lui arriver une merde. Ouf. Un mètre pas la première. Puissant, donc. Ils vont pas nous enlever Cadwell. Pour l'instant, il tient le coup, hein. Moi, c'est pas une grande perte. Hein. Moi, je reste sur le maître quoi, puissant. Votre inventaire est plein. Ah ! Calperoi, l'astucieuse et la grande fanfaronnade, volume 2, vas-y. Tel que raconté par Nala Polek, poète lauréat du Potentat Versudus Chae. Oh la vache ! Oh la vache ! Mais c'est le volume 2, c'est pas intéressant. Mais tu peux en lire un peu si tu veux, je suis full, faut que je vende. il nous faut le volume 1. Il est hors de question que je m'abaisse. Voilà. Faut trouver le 1. À lire des récits incomplets. C'est quoi du coup le titre ? Calperoi, l'astucieuse et la grande fanfaronnade. Ça a l'air d'être un super conte. Oh là 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 là, et apparemment il y a plusieurs tomes. Parce que ça se finit pas comme ça. Peut-être un tome 3 ou un tome 4. J'ai le volume 1. Oh là 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 là, c'est divin. T'as trouvé ça où le volume 1 ? Tu peux relire ce que t'as lu ? Où est-ce que tu trouves ça ? Oui. Internet. Mais t'as un peu de corps, bah. C'est des gens qui veulent vendre, j'ai sorti une idée. Bravo. Ouais, bravo. Bah, tu voulais ton tome 1, qu'est-ce que tu viens me faire ? Non, mais bravo. Yeah. Bravo. Ok, vous m'avez fait. Chiant jusqu'au bout. Et bah, nique. Là. Voilà. Pressez-vous. Va te faire foutre, je n'aurai plus tes mots qui te manquent. Avec Moulin à venir. Attention. Nous devons savoir ce que Raxia et les dragons manigancent avant d'attaquer. Ça fait de la place. Très bien. Si vous entrez dans la prochaine salle, vous aurez un petit dialogue à deux ronds. Puis ils vont se barrer, vous laissant tout seul. Oh, César et les divins. Putain, il faut que je lise ça.
je peux pas lire en étant assis, quel dommage. Alors, César et les divins, excusez-moi, je parcours ça rapidement. Position occupée par César dans le culte tyrolien, source de méprise, milieu de divinité, culte important aussi dans la cité impériale, César particulièrement vérifié dans l'ouest colovien, sous le nom de Shor, tout à fait. Les rois de l'ouest sont absolument et religieusement nordiques, donc c'est la légende de Shor, bien sûr. César avec les divins, parce que Shor est un fragment de César. Alors, Saint-Alessia, Fortaleza Léide, tout à fait, du côté des humains. Le Césarine. Les elfes sur la table. Souffle de Kin, Tristan, après, Force Alessia, Impératrice Rodine. Je vais devenir grande prêtresse d'Akratos au passage, tout à fait. Mais c'est sujet à l'Essia, et puis après, aussi, il avait dit, ma fille. Mais voilà, comme ça, quand elle est à New York, à l'époque, franchement, elle est magnifique, tout à fait. Il ne pouvait pas rien, elle est venue en ligne, voyons. Lui divin, une synthèse élégante et bien conçue des panthéons nordiques, tout à fait. Et là, on devait évoluer, pouvait plus enseigner la guerre, pouvait cacher dans un mur, je me nourrais de sort, cela suffisait aux yeux des nordiques, tout à fait. Bon, bah, très bien. Et j'ai quand même le volume 1 du truc. Ouais, mais ils expliquent pas que César ou le Césarine ou même Shor sont des fragments de l'Orcane, si tu veux. Mais qui répond complètement à côté de ce que je viens de dire. Pardon, excuse-moi, j'étais perdu dans les c'est pensées. C'est qu'il t'a pas écouté, c'est tout. Oui, je m'excuse, que disais-tu? Non, rien. D'accord. On me dit Bob a-tu des nouvelles de Riri. Ça veut dire. De qui? Riri. Je sais pas, il est toujours lesbien avec Fifi et Loulou. J'ai que ça. Bon bah. T'es toujours en train de faire ton truc Ouais, il finit. Ah non, moi j'ai fini. Ah bah d'accord, bah on peut y aller. Ah bah très bien. Ah bah d'accord. Ah bah des excuses. Ah bah oui. Ah bah d'accord. Bah oui. Allez, dialogue. Okay. Zumokfum en a la clé. Quant à ma demande. Les nécromanciens se sont déjà ralliés à Khal Grantid. Oh, c'est Balou! Vous n'avez plus aucune utilité, Euraxiatam. Honte à vous! Et notre accord? Ça fait deux fois un Khal Grantid, je sais pas qui c'est, quoi mais... Quoi encore? Enfin si, ça m'a l'air. Il avait la classe. Tant de demi-frères et... Stylé. Ah, tu sais, ils disent ils sont ralliés à Khal Grantid, c'est des grands... Oh! Tenez! Vous avez tant manqué à vos parents, princesse. Bah non, Nalado. Père, mince. Non. Je ne vous aime sacrifié. Pas. À présent, veuillez mourir rapidement. Putain, le roi Enakar, c'est un chat noir, mais il a pas de pansement. La barrière est dissipée. Enfin, je vous détruirai tous. Ah, on va carrément taper Euraxia. Euraxia. Allez. Elle va mourir, hein, là, c'est sûr. Allez. Tu payes. Voilà. Ah mais d'accord. Oh. Nous verrons Nalado plus tard. J'ai besoin de voir le trône. Qu'est-ce qu'il a lui? Attends, chut. Bah il a perdu ça. État potionnel, parlez à Bnur. Oui. Parlons. Allez, 3, 2, 1. La demi-sœur. Lorsque tout ceci a commencé, j'ai su qu'il faudrait éliminer Euraxia. Mais envoyer les parents assassinés de Camira contre nous, la mort était encore trop douce pour ma demi-sœur. Cela dit, la collaboration entre dragons et nécromanciens m'inquiète. Et vous ne regrettez pas d'avoir tué votre sœur ? Demi-sœur. Oui, pardon. Et vous trouvez que j'ai c'est une un tête peu de sentimentale ? Euraxia a peut-être disparu, mais Moula Amnir a parlé de son chef, Khal Grantid. Il a dit que les nécromanciens les aidaient, et Euraxia avait parlé d'une porte lunaire au sud-ouest. Camira ou Gareshri pourraient peut-être nous parler de cette porte lunaire. Peut-être. La prochaine reine d'Ankina a dit que nous n'avions pas le temps de pleurer les morts, mais je crains que cela n'affecte son jugement. Allons à la salle du trône, et essayons de comprendre pourquoi les dragons ont besoin de nécromanciens et de la porte lunaire. Au revoir. Bon. Ça sent. J'ai cru qu'on allait encore bastonner un dragon, mais non. Non, il s'est tiré. Non, mais on a juste mis une gifle à Euraxia Tarn. Ben ouais, alors qu'elle a cru qu'elle pouvait faire. Elle pouvait faire du 1 contre 5. Ouais, je sais pas. Confiance. Hein. Si.
Ouais. Non, mais c'est surestimé. Elle était conne comme son frère, elle est morte comme une mourra. C'est tout. Comme son frère. C'est ça. Bah, il a l'air malin quand même, sur certains points. Sur la survie, sur tout ça. À mon humble avis, non, il est friable. Ouais. Il est friable parce que même s'il détecte les pièges à l'avance, il y fonce tête baissée comme un débilos, confiant qu'il est capable de les surmonter. Mais un jour, il va tomber contre un PJ, en fait. C'est tout. C'est globalement, voilà. C'est... Un jour, il va tomber sur un... Merde, comment ça s'appelle ? Ah, les héros Rouge-Garde. J'ai oublié son nom. Ah oui, Truc là. Nous nous occuperons des morts plus tard. Non. Attends, je crains que des affaires plus pressantes ne réclament notre attention. D'accord, c'est bon, on peut lui parler. Mais et c'était un Undine. Voilà, c'est ça le nom. Ah, d'accord, oui. Faut pas prendre le trône. Oh, par contre, je peux vider la table de chevet et le coffre derrière le trône et la dague. Pardon. Vous voyez pas grand chose dans son coffre, hein. Ouais, ben je vide tout. Ouais, oh, c'est peut-être pas terrible. Hein, peut-être que j'ai dans un coffre, on chope des crochets, c'est un peu un comble, quoi. Non, c'est précieux pour un gadget. Moi, je vide les garde-robes. Moi, j'espère avoir des recettes. Ouais. Ah, des recettes de meubles. Ouais. Ouais. Ah, c'est le meuble. Je pense à toi. Je garde tout à l'heure. J'avoue, c'est divin. C'est divin. Du coup, on peut parler à Camira. On parle. Allez, 3, 2, 1, go. Que la nuit emporte Raxia. Elle a envoyé mes propres parents contre nous et a tué l'honorable et courageuse Nalado. Mais nous n'avons pas le temps de pleurer. Nous devons déterminer ce que les dragons cherchent à l'antique porte lunaire. Camira, c'était vos parents. Et le capitaine Nalado est mort en vous défendant. Vous voulez vraiment... Je l'ai pris, désolé. J'ai cru en fait. Mais est-ce que c'était le tien? Bah, soit c'était Désastre qui continuait parce qu'il n'avait pas eu grand-chose. Ah merde, pardon, c'était écoute, moi. Bah écoute, mais c'est pas grave, bah vas-y. Écoute, excuse-moi, je suis désolé, j'ai pas fait gaffe, j'ai perdu le compte. C'est pas très important. En fait, j'ai entendu un silence et je me suis dit que c'était mon tour, bêtement. Écoute, Désastre. Non, mais continue, t'as commencé. C'est le tien. Bon bah, 3, 2, 1, clic. N'essayez pas de me dire ce que je dois ressentir. Je suis reine. Et je n'ai pas le luxe de pouvoir pleurer. Saint-Griff. Ce n'étaient pas mes parents. C'était des cadavres ranimés, rien de plus. Et je n'oublierai pas le sacrifice de Nalado. Après... Après quoi? Après avoir sauvé Elsewhere des dragons. Je peux toujours compter sur votre soutien, Saint-Griff, et celui d'Abner Tarn. Nous avons fait disparaître une menace. Il en reste encore deux. Je continuerai même sans vous. Mais je préférerais vous avoir à mes côtés. Rien n'a changé pour nous. Comment pouvons-nous arrêter les dragons? La guerre est loin d'être terminée. Même une reine a besoin de consulter de temps en temps des personnages aussi érudits que Garechri et Abner Tarn. Acceptez ceci en récompense de vos efforts, Saint-Griff. Puis parlez à Garechri. J'ai besoin de réfléchir. La tueuse de la récompense. La tueuse de l'usurpatrice. Putain, gros pénis. Hein. Vous avez vu la maison? J'aime bien. Ouais. Salle du champion lunaire, maison. Ah bon? Mais on a une maison, pour de ah vrai? Ah bon? Bah, très bien. Fantastique. Bah, on visitera ça juste après. Accomplir la quête, c'est prêt? C'est pas une des parties de... On avait vu une maison un peu cassée avec des gravats, c'est pas... C'est pas grave. Mmh, c'est vous vous en souvenez? Accomplissons la quête. 3, 2, 1, clic. Ah bah voilà. Ce trône... Il a été occupé bien trop longtemps par un tyran. Et maintenant... La Grande Crinière doit d'abord vous reconnaître officiellement comme héritière de la couronne d'Ankina, mais le peuple scande déjà votre nom. Venez me parler, Saint-Griff. Oh, enfin, c'est un véritable labyrinthe ici. J'ai raté quelque chose? Stylé. Après la guerre. Stylé. On peut parler à Camira, du coup. C'est... Ok. Mais faudra qu'on aille visiter la maison. Ah oui, absolument. Avant de couper le live. Moi, il m'a bien pas sûr, parlé de la maison, hein, mais... Non, on a vu ça dans la caméra. 3, 2, 1, go. Lorsque j'étais petite, je jouais dans cette salle. Je faisais comme si John et Jod me parlaient, là-bas, sous les statues. Après le coup d'état de Raxia, j'ai rêvé du jour où je pourrais reprendre le trône vide de mon père. Vas-y, Désastre. Alors, pourquoi hésitez-vous? Parce que...
Parce que... cinq griffes. Laissez-moi un instant pour réfléchir, absorber tout ce qui s'est passé. Et puis, il ne suffit pas de s'asseoir sur un trône pour être reine. Je dois réfléchir à mes prochaines actions. Vous êtes certaine que vous êtes d'attaque ? Vous croyez que je ne me suis pas posé exactement la même question ? Jeune et Jode, nous avons dû tuer mes parents une deuxième fois. Et le capitaine Nalado est mort pour me sauver la vie. Si je peux avoir la moitié de son courage, une reine ne devrait pas penser à ces choses-là. Si, elle devrait exactement penser cela. Vous ferez une bonne reine, Camira. Au revoir. Merci de votre soutien, Sandy. J'espère que mon peuple sera du même avis. Mais peu importe, mon peuple a besoin d'une reine, et je suis là. Prête ou pas, je suis la seule à pouvoir monter sur le trône. Et maintenant, laissez-moi me préparer à ce qui va suivre. Au revoir. Pourquoi ils nous appellent 5 griffes, au fait ? Bah, parce qu'on a 5 doigts. On a 5 doigts. Ouais, mais eux aussi, ils en ont 5. Bonne question. Bonne question. Très bonne question. Parce qu'on n'a pas de crocs. Ouais. Ouais, bah, moi, il me dit 5 griffes et j'ai des crocs. Ah. Moi aussi. Aucune idée. Bon. Non, mais c'est, oui, c'est du coup, toi, t'es Khajiit en plus, donc elle t'appelle 5 griffes aussi. Ouais. Ça, aucune idée. Ouais. Est-ce qu'on parle à Zamarak et au seigneur Garechri ? Oui, go. Zamarak, on lance la quête. 3, 2, 1, go. La reine Camira a subi une difficile épreuve, mais cela la rendra plus forte. Merci de l'avoir aidé, 5 griffes. Vas-y, continue, désastre. Dédé ? Oui. Continuons, t'as dit ? Ah, j'ai pas entendu, pardon. Vas-y, lis, putain. D'accord, putain, écoute. Nous avons tué Euraxia, mais Nalado est mort. Attends. Il est dra... On parlait à Zamarak, nous. Ah, merde. T'as rien suivi ! Ah oui, t'étais à l'ouest, toi. Ah, mais non, mais j'ai cliqué à côté. Pendant ce temps-là, si vous pouvez répondre, combien de temps entre Elsewhere et Skyrim ? Oula. Entre Elsewhere, là, maintenant, et Skyrim, oui. Le jeu ? 3 heures. Quoi ? Je crois qu'entre Tezo et Skyrim, il y a 1000 ans, non ? Un peu... Ah, 1000 ans ? Un peu plus ? Je crois que c'était ça. Un peu plus, hein. Un truc comme ça, hein. C'est loin, hein. C'est loin. Aucune idée. Ok. Bon, je suis plus devant la bonne personne. Vas-y. Et vous, Zamarak, qu'allez-vous faire maintenant ? Je vais dire la vérité à Camira. Que j'étais griffe du roi et les protéger pendant le coup d'état d'Euraxia. Si elle accepte, je remplirai le même rôle dans sa cour. Sinon, je la protégerai quand même, mais de plus loin. En gros, je lui demanderai son avis, mais son avis ne comptera pas. En même temps, le mec pète des murs au kung-fu. Donc à un moment, si tu veux pas lui en, si tu veux pas de lui en garde du corps ou amant pour faire des bébés forts, je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Je sais pas ce qu'il te faut. Cadwell ? Vas-y. Cadwell, il est où ? Cadwell, il est où ? Ah oui, là. Ah. 3, 2, 1, go ! Zumok Fum rassemble mes membres. Il a essayé de voler mon essence et de me la refourrer dans la caboche. Je crois qu'il essaie de me remonter. Enfin, pas moi. L'autre moi, le traître. Vas-y, désastre, fais les PNJ en plus. Que savez-vous d'autre au sujet du traître ? Vraiment ? Bon, mes souvenirs sont assez confus, mais il semble que de mon vivant, j'étais assez pénible. J'étais chevalier, champion. Tout à fait. J'aidais des gens principalement, mais je m'aidais moi-même plus que tout autre. En vérité, j'étais un fieffé saligo. Mais alors, pourquoi vous appelait-on le traître ? J'avais un ami, je crois. Un autre héros de cette époque. L'un de ces charmants chats. Un certain Kunzari. Je l'ai aidé à faire quelque chose, puis quand il ne s'y attendait pas, je l'ai poignardé dans le dos, littéralement. Au revoir. Nous allons y aller. Attends, le Kunzari des légendes, donc c'est lui qui a tué Kunzari ? Eh ben, visiblement. Ce serait stylé. En même temps, si on suit les légendes de Kunzari, c'est lui qui a tué le roi des nains aussi, donc...
Il y a beaucoup de gens importants qui sont... Kunzari, et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Hein. La vraie légende de Kunzari. J'aimerais un livre, hein, parce que d'où Jésus. Comment peut-on faire une telle chose ? Encore un espace vierge dans ma mémoire. Je sais pas pourquoi cette infâme personne pourrait commettre un acte aussi vil. Une fois que nous aurons trouvé ma tête, nous devrons lui poser la question avant de la lancer dans un bûcher, bien sûr. Mmh. Au revoir. Très bien. On prend la quête pour la suite. Ouais, et on ira visiter la maison derrière. Ouais, faisons ça. Et ouvrir des pièces. Vas-y. Allez. Ah oui. Attends, désastre. Voilà. 3, 2, 1, go. Les parents de Camira seraient fiers de la façon dont elle a pris ses responsabilités en cette triste époque. L'une que je suis fier d'elle. Pendant qu'elle réfléchit, nous avons affaire. Dites-moi, que s'est-il passé au palais ? Nous avons tué Raxia, mais Nalado est morte. Et les dragons et les nécromanciens font cause commune. Vous nous apportez de bonnes comme de tristes nouvelles. Mais nous ne pouvons pas encore fêter notre victoire ni pleurer le capitaine. Nous devons déterminer pourquoi les dragons sont prêts à s'associer avec ces maîtres de la magie noire. Je les ai entendus parler d'une porte lunaire au sud-ouest. Calgrontids semble s'y intéresser. Il s'intéresserait à la porte lunaire d'Ankina. C'est dans cette direction. Je me demande si c'est en rapport avec le dernier ordre d'Oraxia. Un soldat en a parlé après sa capture, mais elle a refusé d'en dire plus. Vous pourrez peut-être aider Tarn à en apprendre davantage. Nous allons aider Abnur Tarn à déterminer l'importance du dernier ordre de Raxia. Abnur Tarn fouille en ce moment même les documents de l'étude royale pour percer ce dernier ordre à jour. Malgré sa feinte indifférence, Euraxia était sa demi-sœur. Sa mort l'aura forcément affectée. Je vous conseille la prudence. Vous inquiétez pour Abnur Tarn ? Non. Pour m'inquiéter, il faudrait que cet homme m'inspire un quelconque sentiment. Mais sa nonchalance face à la mort de sa sœur m'amène à penser qu'il cache ses véritables émotions. Je sais qu'il veut nous aider, mais ça reste un Tarn. Lucide. Au revoir. Il n'a pas tort. Ça fait plaisir de voir des gens lucides comme ça. Bon, ben, installons-nous dans ces chaises extrêmement confortables dans lesquelles on la ne maison. Pas s'asseoir. Ouais. Les caisses. Les caisses, d'abord. Les caisses, êtes prêts ? Notre amitié est plaisante. Oui. Allez, vas-y, fais saucer. 3, 2, 1, sauce nous, chatons. Tout le monde le voit. Allez, on y va, on le voit. Je suis le seul que ça réchauffe. Que de la merde et que un du bleu. Le nécro-turban que j'avais déjà. Le masque de Méon cauchemardesque que j'avais déjà. Dommage. Une deuxième. Attends, ouais. Les autres, ils ont rien, d'accord, pas très bien. Personne n'a rien. Je n'ai jamais vu un tel étalage de bonne fortune. Allez. Vous avez établi un nouveau deuxième. Record. Attends, quand t'as déjà tout eu. Oh, un parchemin d'expérience de la Côte d'Or. Oh, la chance. Deux bleus, quoi. Deux bleus. Écoutez. Oh, dis donc, j'ai eu un petit papillon. Ah, oh, sympa. Oh. Et dernière caisse. Tu t'en sors bien. Troisième. Troisième. Okay. On sauce chaton. Faites un choix pour révéler votre récompense. Que de la merde. J'ai eu tes tatouages. Essayons. Et un renard que j'avais déjà. Que de la merde biocosmique. J'ai trop fait pas très généreux ces caisses là. Ouais, j'avoue, ça nous sauce pas. Hein. Là, il faudrait nous envoyer ouais, des nouvelles. Il faudrait nous envoyer des caisses, tu sais, comme dans les, tu sais, les youtubeurs qui font des vidéos sur les sites de Paris, ils sont là, incroyable. J'ai gagné une vidéo, une Lexus en pariant seulement 50 euros, un truc dégueulasse. Tu sais, les trucs complètement qui vendent ton âme en même temps que tu des gagnes. Des 100% légendaires. Du coup, ils pourraient nous envoyer des caisses dans lesquelles on gagne des Lexus. Voilà, des caisses. Voilà, mais des Lexus, mais dans Elder Scrolls, tu veux, des Lexus en goire. Ah. En fait, ouais, oui, on a reçu bien, une lettre. Quelle lettre ? Bah, c'est sur la salle du champion lunaire, il y a 10 minutes. Ça, que moi. De quoi ? Dans vos mails. Oh, bah, moi, ça risque pas, mes mails, ils sont pleins. Hein. Salle du champion lunaire, guerrier aux 5 griffes. En hommage au service que vous avez rendu au nord d'Elsewhere à la reine légitime Camira, moi, l'évêque lunaire, c'est Biza, vous nomme gardien de la salle du champion lunaire. Nos ancêtres avaient consacré ce temple à Tkunzari, blablabla. Quatre tablettes y étaient autrefois abritées qui permettraient aux vétros de suivre les traces du grand Tkunzari. Trois de ces tablettes furent perdues au fil des siècles, mais la quatrième demeure. Placez la tablette sur l'autel en l'honneur et faites un premier pas pour rendre sa gloire au temple. Avec ma détermination, c'est bizarre. Allez avec détermination, c'est bizarre.
C'est une grande maison en plus, hein. Putain, des objets. Ah bon? Ouais, c'est une notable, donc. Bah ouais, oui. J'ai vu ça quand il l'a. Et du coup. On a KTP dedans, ouais. C'est où, comment qu'on fait? Collection U, collection. Habitation en haut. Effectivement, salle du champion lunaire, mais c'est celle où on était mort 1000 fois. Oui, c'est ça. Avec la grosse boule dans l'arrière-salle? Ah, je sais pas. Ce serait fumé si on nous donne. Alors, la... visiter notre maison. Oh là 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 là. Non, je pense que c'était vraiment le truc qu'on avait vu en ruine et je pense que petit à petit on reconstruit. Il nous faudrait les trois autres tablettes de Kunzari alors. Ouais, sans doute. Parce que c'est joli là sur l'écran de chargement. Ouais, 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 ce serait fumé hein. Mais ça ressemble vachement à ce qu'on avait. Ouais, c'est ça. Seul le plus patient et le plus rusé découvrira tous ses secrets. Donc soit c'est de la pub mensongère, soit effectivement il faut rajouter des tablettes pour améliorer tout ceci. En fait, c'est le truc où on était rentré et maintenant ça nous appartient. Charger permission. Ouais, non, mais ouais. C'est grand, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense que c'est une grande salle. Petit, ouais. Hôtel mais de la lumière. Je pense que petit à petit Jaude. Ça s'améliore. Éditeur de maison pour placer mobilier de bibliothèque. Voici le champion lunaire sur l'hôtel de. Et du coup, on va pouvoir poser les tablettes. Hôtel de lumière de Jaude. Appuyez sur F5 et il faut placer apparemment l'hôtel de lumière de Jaude. Ah bon? Table du champion lunaire. Voici le champion lunaire, meuble de collection. Non, F5 c'est juste pour. À placer sur l'hôtel. Maison, non, non, si. À placer sur l'hôtel de lumière de Jaune dans la salle du champion lumière pour. Ah ouais, il y a hôtel de trahison. C'est vraiment ça, hein. Ouais, ouais. Hôtel de ruse, hôtel d'ambition. Attends. Faut vraiment placer. Il y en a un tout à l'entrée aussi. Ouais. Hôtel de lumière de Jaune. Bah, c'est là qu'il faut le placer. Il faut placer quoi du coup? Bah, la tablette sur l'hôtel de la lumière de Jaune. Mais premier. On a la tablette à placer. Ouais, c'est un item. Ah, mais on l'a dans les courriers. Aucune idée, putain. Ah non, tablette du champion. Non, on l'a direct dans le service tablette du champion lunaire. Ah, putain. Attends, mais comment tu fais du coup? Ah, oh, c'est excellent. Bah, tu fais F5. Ouais, ok, j'y suis. Donc, F5, après R. D'accord. À service en haut de ta tablette du champion lunaire. Okay. Tu cliques dessus, E. Et tu la places, quoi. Oh, je l'ai placé à la perfection. Oh, là, c'est bien, là. Mon autisme est sauvé. Mais du coup, tu la vois pas Bah, si, moi, je l'ai placé, en fait. J'ai vraiment placé ouais, l'hôtel. Ouais, tu l'as et tu. Et ça, tu et ça a activé. Rond, Et ça a activé l'espèce de lumière magique. Hôtel de la trahison, il faudrait mettre une tablette. Hôtel de je sais pas quoi, hôtel de la ruse. Et hôtel de l'ambition, comme tu l'as dit. Et donc, il faut trouver les trois tablettes de Kunzari légendaire. Et tu peux activer cette salle. Et ça fait des choses dont... Bah, ça fait des choses. Si t'as juste le rond, Crane fait T. D'accord. Et ça, en fait, c'est que ton truc est dans la texture. Ah. Divin. Okay. 4 ça, c'est stylé, par contre. Non, c'est très classe. Genre, tu le poses et ça active les trucs... C'est statue funéraire de Ragada, Chadoré. Ok, j'ai des objets sacrés, je sais pas où j'ai trouvé ça. Gouvernement, les brumes du marais. Ah, je peux mettre des brumes, c'est stylé. Oh, nice. Ça, j'étais pas prêt pour ça. Hein. Moi non plus, hein. J'avoue, c'est la méga classe. Ouais, c'est un peu ésotérique. Virer... Oh là là, moi je décore à donf là, les mecs. Ouais, tu peux virer les débris si tu veux. Ah ouais, tu peux les. Ils s'enlèvent quoi? Ah ouais, ok. Vous les laissez, vous, les débris, ou pas? Bon... Je pense que si on veut décorer, il faut les enlever. Ça dépend comment on veut faire. Là, tout de suite, maintenant... Ouais, non, peut-être pas. De toute façon, il va falloir qu'on trouve les trois autres tablettes à mettre, je pense. C'est ça. Espèce d'hérétique. Moi, j'ai religieusement nettoyé le sol, là, c'est fait. Ça a pris environ 14 secondes. Faites le taf. Ouais, mais pour l'instant, on n'a rien d'autre, donc faites le taf. Apparemment, avec un succès, on peut obtenir un autre morceau. Voilà, en récoltant tous les morceaux de mur chantant de Elsewhere Nord. Ranger. Sélectionner, ranger. Tu fais sélectionner, ranger à chaque fois, il n'y a pas. Attends, il y a peut-être. Je peux pas faire ranger directement. Alors, depuis tout à l'heure, faut tout le temps sélectionner. Pas suivi et j'arrive pas à trouver la maison du coup. Ah, bah bravo. Tu fais U collection. Dans la collection et en bas salle du champion lunaire. J'ai déjà commencé à décorer si tu veux. J'ai fait U, je suis dans la objet de collection. Oui, c'est dans tes maisons. Mais oui, mais j'ai pas maison qui apparaît dans l'objet de collection.
Si. Mais à un endroit de droite, habitation. Ça a l'air bon. Oui, voilà. J'ai dans la collection de Saint-Evelyn, village. D'accord, j'ai. Ok, tout en bas. Très bien, très bien. Babiole, tapissé. Voilà. C'est prêt à être décoré un jour, peut-être. Ah ouais, mais. Une réponse pour les 5 griffes. En français, ça veut dire. Ceux qui. Que. Elle est, ça veut dire. Alors, c'est dans le chat que je lis. Hein. Alors, c'est du headcanon, hein, attention. Volent se font amputer d'un de leurs doigts. Donc, appeler quelqu'un 5 griffes, c'est compliment envers quelqu'un qui ne vole pas ou n'a pas été attrapé. Ah c'est, oui, c'est ça. C'est semi-mytho parce que le mec qui a puisé ça, cette info, c'est du headcanon. Donc, c'est ce que le gars se dit pour faire la cohérence avec le scénario. Attention, attention. 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 Par contre, je suis curieux de savoir ce qui se passe quand on a les 4. À mon avis, ça doit ouvrir une autre salle, une espèce de TP, un truc comme ouais, ça. Ouais, ça doit être fou. Ouais, bah en tout cas, apparemment, il y en a que 2 et après, ça sera dans des mises à jour. Ah bon ? Comment tu mets la stèle, du coup ? F5. Ouais. R. Tu sélectionnes la stèle qui est tout en haut dans service. Voilà. Ou dans autre chose, mais oui. Tu la trouves. Voilà. Et ensuite, cette stèle, bah, tu l'installes sur le premier hôtel qui est devant. Ah, tu la poses. Essaie de la poser bien, si tu veux. À l'entrée. Ah, à l'entrée ? Ouais. Sur l'entrée ? Tu peux le poser à l'arrache, mais c'est plus stylé de bien le mettre. J'avoue. Oui, j'entends bien. C'est bon, parfait, moi c'est bon. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ça va être stylé. Et franchement, je savais pas qu'ils avaient fait ça parce que je me suis gardé les. la découverte en live, mais c'est cool. Moi je suis déjà en train de. C'est le joueur de... PVP qui en fait pas beaucoup de PVE. Je me suis gardé la découverte en live. Non, mais souvent les, je fais rapido, tu sais, les quêtes, les quêtes principales. Ah, mais je les bourre quoi. Je... Bon, en tout cas, moi c'est bon. Là je. Ouais, moi je. Je suis posé, c'est mystique. Un et petit point de genre. Ah. Comme de l'housing normal. Bon, bah ça pourrait être un bon moment pour couper la VOD, non ? Ouais, moi je suis en train de décorer. Attends, j'ai presque fini. Ah, déjà. Il a fait une salle au trésor. Et ouais, tout. Mais c'est ça. Venez voir. Ça serait trop bien pour une salle au trésor aussi. Venez voir ma micro-maison. Venez me dire un peu si c'est pas stylé. Ah, mais j'étais tellement bien là. Ah. Bon, tant pis. Ok. Alors. Il y a juste à se TP sur toi. Ouais, ça c'est ça. Ouais, j'imagine, j'ai mis les autorisations, normalement ça marche. Il faut cliquer, ouais, rejoindre, parce que si tu vas sur la maison principale, ça va pas être la bonne. Refais ça chez lui, oui, c'est vrai. Faire, je peux voyager jusqu'à un joueur. Ah, il a peut-être mis des trucs. Attends, comment ça ? Ah, c'est ça. Oh. Recharge. C'est voyager jusqu'à un joueur, c'est ça ? Ouais, ouais. C'est ça, j'ai mis un petit miroir. Ah, un petit miroir. Et là, j'ai une boîte à musique. Boum ! Et tu peux en jouer. Vas-y, joue la boîte à musique. Non. Bon, il me reste une commode et ça sert pas à grand chose, mais... Voilà. C'est chouette, la boîte à musique. Ouais. C'est de la boîte à musique. Alors par contre, maintenant, il me faut des... Parce que j'ai des amphores et des bocaux. C'est très mystique comme ambiance. À vous, hein. Un pot nordique, une amphore, bien sûr. Tu mets juste à côté, là, juste en bas. Puis après, une amphore d'Alinor. Parce qu'on aime... On aime les amphores un peu alambiquées de complexitude. Et est-ce que j'ai de la lumière ? Vous avez de la lumière ? Bah, on peut pas donner de... Ouais, malheureusement, à part te les donner comme ça... Bah, c'est pas grave, j'ai le crâne mystique. En fait, si. Si, moi j'ai une méga... Attends, si je peux te la donner. Comment je... Alors, je peux bouger les trucs. Valide l'échange. Ah oui, c'est encore. Donc je peux bouger des trucs, mais je peux pas y rajouter des meubles. C'est encore un truc où il faut que je t'envoie. Ah, okay. Mais je suis bien administratrice de ta maison. Un peu sur le côté. Mais... J'ai mis un crâne de flamme qui fait de la déco. Mais c'est pas exact. Bon, je mets un tisonnier. Je mets un tisonnier pour le feu juste à côté si tu veux. Merde. Elle est fantastique cette boîte à musique. Elle me donne du rêve. Un petit paravent. J'ai décoré ta maison un petit peu aussi. Merde, comment t'as fait? Mais je peux pas. Ah oui, bah tu fais de la musique stylée. Ah mais ça fait la musique de Morrowind. Ouais. C'est stylé. Oh là 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 là, c'est divin. Petit chandelier nordique en bois. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez. Tant ça boum. Regarde ça, ça éclaire bien là. Bon, ça éclaire rien du tout, hein. C'est la misère. J'ai une statuette de chat en or.
C'est vraiment pour la vénération du truc. Donc c'est lié. Avec la pelote de chat à côté, histoire de vénérer correctement. Ce crâne qui a le chime, exactement. J'avoue. Je vais bientôt disparaître. J'avoue, stylé. On dit fait des bisous aux gens qui regardent la VOD ? Ouais, tu peux faire ça, je pense, on est bien. J'ai presque fini moi, ma déco de mon côté, comme un début. Ah, mais t'avais des rideaux et tout, quoi. Bisous, ah, bah oui, hein. On est bien, on est bien. Vous avez passé un bon moment avec nous, bon, on a avancé la quête principale, c'était plutôt cool. En plus, on s'est débarrassé d'un PNJ quand même important de l'histoire d'Elsweird, donc je pense qu'on va se focaliser beaucoup plus sur les dragons sur la suite. J'avoue. Ou Murtarn, on verra. Et voilà, et rendez-vous deux semaines. Des bisous tout le monde. Tac. Ciao. Voilà, avec les pierres dans le coin. Des bisous, braves gens, et à la prochaine. Allez, zou. Oh là 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 là. Avouez, c'est confort.